peur, tu commences à dire qu'on ment. Assume qu'on avait le bac en Bota Horizon. Il faut assumer. Donc, tu veux que j'assume seul alors que c'est toi qui venais avec les informations des gens. C'est toi qui venais avec les informations. Là, tu ne veux plus assumer. C'est Coco qui va assumer seul alors que c'est toi qui venais avec les informations des gens. Même la dame Sissola, la dame qui était en Italie, qui te donne les informations de la dame. Qui te donne les informations de la dame si tu es honnête. Je connaissais la dame là. Puisque tout ce qu'on avait dit sur la dame là, c'était sa vraie vie. Moi, je connaissais la dame là. Arrête de manipuler les gens, Flore. Arrête de manipuler les gens. C'était avant que j'avais peur de toi. Tu m'insultes, je t'insulte. Tu m'insultes, je vais te sortir aussi t'insulter. Laisse, je classe les vos. Je vais sortir tes vos avec les enregistrements. Mon Dieu. Tu sors, tu commences à montrer mes enfants. Mais tu peux bien monter parce que toi, tu n'as pas d'enfant. Loïc, c'est ton petit frère. Hier, tu as appelé Nadou. Nadou m'a appelé pour me dire qu'on a dit dans le direct de Wakatologue que Loïc n'est pas ton enfant. Je suis la seule qui sait que Loïc n'est pas ton enfant. Depuis des années que tes détracteurs t'insultaient avec. Pourquoi tu ne m'avais pas accusé? Maintenant, comme on commence encore à t'insulter avec, tu dis que c'est moi qui raconte aux gens que Loïc n'est pas ton enfant. Qui ne sait pas que Loïc n'est pas ton enfant? C'est ton petit frère. Loïc, c'est ton petit frère. Ta mère fait Loïc quand elle n'était plus avec ton père. Où elle vivait au carrefour à Gip. Ta mère fait Loïc avec son nouveau mari, pas avec ton père. Tu me parles de quoi? Depuis je suis calme, tu me lances toujours les pics, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Tu es choqué. Tu me lances les pics, tu appelles les gens. Si je partage le truc de rêve, bien, il y a Nadou qui loue ton appartement du Waka à Angers. Parce que tu as acheté un papier. Tu as acheté le papier à Château d'Eau pour louer l'appartement avec pour les Waka. Quand tu as des gens de procédés, toi tu es calme, tu ne parles pas parce que tu sais que ce n'est pas ton nom. Tu as acheté les papiers à Château d'Eau. On a fabriqué les fausses fiches de paye. Les Waka de la Suisse viennent travailler là-bas chez toi. Les Waka de la Suisse viennent travailler chez toi. L'affaire se va finir un jour. Bonjour, sénateur. Moi, il me réveille seulement dans le Congo. Ça, il me réveille là. Jusqu'à dire que voilà les forces que Compresson m'a envoyées, que je parlais de Nadège Mbapa. Compresson ne savait même pas que j'étais en contact avec Nadège Mbapa. C'est quand il y a des affaires de Yvonne Gomati, qu'on fait la conférence, Compresson a compris que j'étais en contact avec Nadège Mbapa. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez jusqu'à Fokwe. On ne partage rien. Tu veux exposer? Si moi, je me mets à exposer tes frères, comme c'est ce que tu veux, toi, expose mes frères. Expose mes frères et mes soeurs. Si je commence à exposer tes frères, tu vas vivre. Parce que tu viens te faire. Elle n'est jamais fille unique. Hein. Flo n'est pas fille unique. Elle a une soeur handicapée. Hein. Rachel. Elle a sa soeur Rachel qui est handicapée. Elle ne montre pas celle-là. Elle ne montre pas celle-là. Même Baudelaire ne montrait pas Baudelaire. Parce que Baudelaire est un peu bizarre. Elle montrait que Raymond, que c'est son petit frère. J'ai fait 2 ans avec Flo avant de comprendre que sa mère a beaucoup d'enfants. Elle n'est jamais fille unique. Flo n'est jamais fille unique. Elle vient sur Facebook dire que je suis fille unique. Quelle fille unique? Tu es quelle fille unique? Tu as honte de ta vraie sœur. Tu as honte d'assumer Rachel. N'importe quoi. Quand tu finis de prendre ta drogue, tu te lèves, tu commences à m'insulter, soi-disant je commente. Tu es qui pour moi? Je suis libre de commenter où je veux, Flo. Je suis libre d'aller commenter où je veux. Tu es qui pour moi? Pour m'interdire, oh, elle commente chez mes détracteurs. Tu es qui mais pour moi? Pourquoi? Si je vois même rêve, je vais continuer à partager les choses de rêve. Tu sais ce qui te choque. Nadou a dit que j'arrête de partager. J'ai dit que je veux partager. Tu fais vous tout le monde. Tout le monde est libre de partager ce qu'il veut. Les deux filles de les chemins là ne veulent pas. Que je faisais le compresseur sur Nadège Mbapa avec compresseur. Voilà le jour où j'ai envoyé la photo de la fille de Nadège Mbapa à compresseur. Elle-même, elle est dans le noir. Elle dit voilà, elle nous montre. Je vais vous montrer. Mais quand tu m'avais envoyé la photo, est-ce que tu m'avais dit. Tu m'avais... Attends, je vais montrer la date. J'ai eu des problèmes avec Nadège le 18. J'ai eu les problèmes avec Nadège le 18. Quand Nadège a commencé aussi à me clasher.
Je vais vous montrer la date que j'ai envoyé la photo là, à compressor, parce que j'étais en clash avec Nadège. Ah non, 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 non. On peut se réveiller dans le Congo, ça comme ça, mon frère. Et... Trop facile de se lever. Chaque fois quand tu veux te blanchir, tu veux seulement me rabaisser. Chaque fois quand tu veux te blanchir, tu veux seulement me rabaisser. Maman, le temps là est passé. Ah bon, hein? Le temps là est passé. C'est pas vous qui avez promis il y a de cela 2 ou 3 jours que plus jamais personne ne parle à l'autre, chacun reste dans son coin, c'est monté, c'est descendu. Vous Je suis voyez? dans l'autre téléphone. Quand il dit aux gens de ne pas mettre les organes, J'ai eu les problèmes avec Nadège. Là, je ne veux non, même les pas gens ne avoir veulent pas congé, sa savoir. petite Mettez fille. les organes sur Regardez les la affaires date que des j'ai gens. envoyée Quelle date? du On ne voit Canada rien. à Compressor. C'était le 18, je ne parlais plus avec Nadège. On ne voit On rien. était en guerre. On était en Zut. guerre. C'était le 18. J'ai eu les problèmes avec Nadège quand? J'ai eu les problèmes avec Nadège le 16. Moi, on a eu les problèmes le 16. On a eu les problèmes le 16. Tu veux maintenant faire croire aux gens que... Attends, ça c'est... Je lis même pas les Affaire, c'est commentaires. pas fini. Dieu, Mais Dieu, ça Dieu. va jamais finir. J'ai grandi Elles avec vont se lui. Moi, je reposer n'étais et jamais pas revenir vite. C'est encore. elle seulement envoyé. Il n'est jamais son fils, c'est son petit frère. C'est pour ça qu'elle s'entend parler avec la mère de la première fille de Loïc. Parce que la fille a essayé de dire à Loïc que ben, c'est ta soeur et c'est ta soeur, elle n'est pas ta maman. C'est pour ça qu'elle déteste la petite Kassala. Je ne peux pas faire la guerre avec Flo, mais je vais quand même répondre. Elle est qui qu'on ne peut pas faire la guerre avec elle? Elle est qui? Elle montre mes enfants, je vais aussi montrer ses frères. Je vais vous montrer Baudelaire. Sa photocopie. C'est juste que l'argent, un ben lave et l'argent rentre propre. Quand même, montre aussi tous mes frères, je m'en fiche. Les frères sont d'abord élégants, beaux. Tu es incapable d'assumer tes petits frères. Oui, qu'est-ce que c'est pour ça? Ouais, c'est Coco Coutou, non? J'ai écrit ça en titre. Tu n'as pas lu. Flo Ça te dit. choque que passer la même bio. Hein. Maman, je vais encore passer là-bas. Je vais passer là-bas. Il a majorité des divorces, on va jouer que chez la même bio. Aïe. Nathalie Baba, Je elle vais prend toucher où alors ça son fait mal. pied. Nathalie Baba, elle prend alors son pied. Bordelais, il s'appelle encore qui? Il semble qu'elle est partie chez Bordelais, Nathalie Baba, Wassani, elle ou est c'est commenter Wassani? les trucs. Flo, il a fait une sortie hier Wassani. pour parler d'autres choses. Après, elle a bifurqué sur elle. Elle a montré beaucoup de trucs, beaucoup, beaucoup. Il n'était pas disponible pour faire passer le direct hier. Et maintenant, elle sort alors et Je vends le répond piment avec mes enfants à le décor qu'il dans vient de la vous même maison. planter. Pensez-tu comme toi que quand Louis rentrait de l'école, il était obligé de traîner en bas. Tu finis avant qu'il monte. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Je ne joue pas avec mes enfants. Comme tu veux, voilà aussi ton petit frère. Voilà ton petit frère. Comme tu veux qu'on montre le truc, mon téléphone, c'est d'abord bien que Baudelaire est même propre. Il est bien ici. Voilà ton petit frère, Baudelaire. Et si tu assumes Baudelaire, tu m'avais jamais dit que c'était ton vrai frère. C'est quand Baudelaire a commencé à me parler que j'ai dit que, hein, tu te fâchais parce qu'il a dit que vous tu as encore une autre sœur. Parce que tu ne voulais pas montrer celle-là. Non, avoir une soeur, je ne sais pas où c'est handicapé, d'après ce qu'elle a Tu viens dit, de c'est dire, je suis mauvais. fille unique. Quelle fille Si les gens unique? ont les soeurs La honte d'assumer handicapées, ta ils sœur. cachent leurs soeurs et qu'on sort, ça n'a aucun Vous sens. allez voir que c'est ça, c'est sa Parce sœur, parce qu'on que ne lui-même, il crée publie pas souvent, les il êtres publiait les humains. trucs de sa sœur à l'époque. Elle s'entendait encore. La ressemblance de ça. Vais poster la petite fille de Nadège pour me cogner la tête avec elle. Maman, tu n'es pas née. Tout le monde connaît ta manipulation. Voilà Baudelaire, ça c'est l'époque où Baudelaire a laissé le Ndiansan. Dis qu'elle vient, je lèche aussi. Il a laissé le Ndiansan à l'époque-ci.
Ah. Tu viens montrer mes enfants. Voilà ça, les photos qu'elle a envoyées, des trucs qui n'ont même pas de sens, des simples causeries, tu prends, tu postes, parce que tu as supprimé ta page. Je vais faire écouter le début jusqu'à la fin. Voilà quand elle reprochait Baudelaire de faire le Ndiansan. Baudelaire était déjà devenu comme un Congolais. Vous ne voyez pas que les deux se ressemblent? Malchance. Tes petites filles. Les enfants de Loïc, tu ne t'attaches pas à eux comme tu t'attaches à mes enfants. Aujourd'hui, c'est toi qui viens publier mes enfants sur Facebook. C'est toi qui viens montrer. Tu as chassé Baudelaire de la maison là, pourquoi? Elle préfère que la maison reste fermée. Elle a les caméras de surveillance pour surveiller son petit frère en location. Alors qu'elle avait construit sur un terrain familial. Tu as un petit frère rebelle, Raymond. Il te tape ça sec chaque fois. Elle n'assume jamais ses frères. Je vais regarder si j'ai les photos de sa sœur Rachel. Elles se ressemblent. Hein? Vous savez, ils ont tout pris de leur mère. Ils se ressemblent vraiment. Parce qu'ils ressemblent à leur maman. C'est moi qui étais venue dire sur Facebook que ta mère était folle. Quand Raymond avait filmé ta mère, envoyé, c'est moi qui avais dit à Raymond de dire ça. Que Marie-Lou a dit que sa mère était folle. Alors que c'est toi qui étais venu sur Facebook à l'époque, là, on ne faisait pas encore des directs. Tu as fait une vidéo pour pleurer que ta mère, oh, on ne retrouve plus la mère. La mère est perdue, on ne retrouve plus la mère. Tu as commencé à pleurer. Grâce à moi, Baudelaire a amené ta mère à Atia pour ses yeux. Grâce à moi, c'est avec mon argent qu'on est allé avec ta mère à Atia. Quand ils ont commencé à se plaindre que tu ne te coupes pas, tu as fait bénir ta mère en Europe pour narguer tes détracteurs, Flore. Elle te jeûne où elle est là. Toi-même, tu sais que la matière te jeûne. Tu pries seulement le bon Dieu qu'on donne même la carte d'un an à la matière pour au pays, tu te reposes. Parce que plus elle est là, plus tu walk dans la même piole. Tu walk dans la même piole, ta mère est là. Moi, tu peux même dire que je walk avec mes enfants. Moi, je peux prendre un costaud devant ma mère. Ta mère, là, tu fermes la porte quand le client doit entrer, tu fermes la porte. Tu as eu raison que non, elle ne se réveille pas la nuit pour aller pisser. C'est dans la nuit que tu tiens les gens. Ta mère est couchée. Chez nous, c'est la malédiction. Quand tu es en train de bouillir avec un homme et ta mère est couchée à côté, c'est la malédiction, Fleur. Toi, tu tiens les clients chez toi. Maintenant, tu as peur parce que les séraphines guettent les annonces des gens. Tu as peur de travailler maintenant à Lille. Il faut maintenant à combien? Il faut seulement bouger. Il faut bouger. Et c'est toi qui viens insulter les Waka alors que tu es une Waka. Alors que tu es une Waka, Flo. Tu as fait écouter l'enregistrement, le voice que le gars là m'a laissé, Kadé m'a laissé, je t'ai transféré. Tu as fait écouter ça aux gens. Alors que je t'ai transféré parce que je voulais que tu me rassures. Il ne faut pas que le gars réserve l'appartement et tu ne viennes pas. Tu fais maintenant écouter ça comme si je parlais seulement, je t'envoyais les choses, je t'envoyais les choses. Non. Il faut arrêter, Flo. Il faut arrêter. Voilà ça. Tes fans t'ont dit, bloque-la. Moi, je ne te bloque pas parce que je sais que dès que tu viens m'écrire, je capture, je balance. L'autre jour, j'étais chez la reine Mère Bio. Voilà ce que quand j'étais en direct, voilà ce que tu étais venu me laisser. Voilà ton profil. Tes fans t'ont dit aujourd'hui que bloque. Tu as dit que, OK, je bloque, tu n'as pas bloqué. Je te laisse pour que tu viennes écrire, je capture, j'envoie aux gens. Ah. Fais go. Même ça, tu dis que ça, c'était ton truc. Tu m'as menti que la tablette, si, était ta part. Parce que quand je te renvoie la tablette, que bébé, tu as oublié la tablette et 100 euros. Ce n'était même pas ta part. C'est après que Kadé m'appelle. Parce que quand je libérais l'appartement, là, le gars n'était pas là. C'est la tablette de sa fille. C'est la tablette de sa fille. Mais depuis que tu dis que tu vas renvoyer, tu n'as pas encore renvoyé. Ce n'était même pas ta tablette. Parce que quand tu as laissé les boucles, j'ai dit que tu as oublié les choses derrière. Tu as dit que, OK, bé, rentre avec. Dès que je viens à la maison, je récupère. Je suis rentrée avec la tablette. Je suis rentrée avec la tablette. Tu es venue récupérer les choses avec la tablette. Tu es partie avec la tablette blanche là. Kadé m'appelle pour me dire que c'est la tablette de sa fille. C'était la tablette de sa fille. Ce n'était pas ta tablette. Il me dit que quand il a la garde, voici ça. Quand il a oublié les trucs.
Qu'elle a oublié les choses où on était, où elle avait fait le direct là où elle clashait une usine. C'était à Limoges, c'est cadet. Voilà la tablette là et les 100 euros là. Puis quand j'avais vu le truc si de la soirée, je pensais que c'était ces 100 euros. C'est comme ça que je filme, je dis que tu as oublié. Attends. Je mets le volume. Tu as oublié, tu as laissé 100 euros ici là. Elle est en train de balayer. Je préfère faire son ménage maintenant parce qu'on ne sait jamais. Il peut me dire qu'il va chercher peut-être quelque chose chez lui. Et s'il trouve la maison. La tablette n'était pas la tablette de Flore. Je ne sais pas bien. Ce n'était pas sa tablette, mais elle a pris la tablette là. Le gars me dit que c'est la tablette de sa fille. 100 euros. Voilà, c'est 100 euros qu'elle a oublié. Elle avait oublié. C'est pas la tablette ci derrière. Voilà ça que je demande. Ta tablette, hein? C'était en bas de la chaise. J'ai retiré ça en bas de la chaise, j'ai filmé, je l'ai envoyé le rouge. Voilà, tous ces boucles, elle laisse, puisqu'elle est ma, elle est, je ne sais pas, on va l'appeler Zama, parce que quand elle arrive quelque part, elle rentre, elle laisse toujours les choses. Si c'est moi qui rentre après, je suis obligée de prendre toujours les trucs qu'elle a oubliés pour rentrer avec. Voilà ça. C'est comme ça qu'elle m'appelle directement, elle me demande de lui renvoyer les trucs. Quand Kadé m'appelle, parce qu'elle là, elle avait déjà pris, quand elle est venue à la maison, elle a pris la tablette, elle est rentrée avec la tablette de Kadé, alors que ce n'était pas sa tablette. Ce n'était pas la tablette de Flore. Voilà ça. Ça, c'est des fuites. Parce qu'elle me demandait de lui faire un fuit. Parce que j'ai les fuites dehors. J'envoie les habits en Afrique. Elle me dit que, ouais, mais tu peux me faire un fuit pour les enfants de mon, les enfants de son frère là-bas au village. J'ai dit, oui. Attendez, je vais vous montrer. Comme tu veux me salir, maman. Je veux aussi bien te salir. On vous salit que vous êtes... Vous êtes à quel niveau? Wow. Ça devait être comme pour les mounas qui sont en train de oh, la tablette a fait ça. Ça parce que la tablette a fait ça. M'avait dit qu'elle devait faire le décryptage sur moi. Elle commence les problèmes. Attendez, je vais vous faire écouter. Je vais être en direct là, je suis en train de me préparer. Je vais faire écouter les voix. Je vais faire écouter ta paix et les enregistrements. Voilà. Voilà le truc du monsieur. Voilà le message que je l'envoie. Je vais vous dire pourquoi je l'ai renvoyé, le message qu'elle a fait écouter. Voilà ça. On ne voit rien, dis donc. Je ne sais pas si ça se voit bien. Lis, non, tu ne peux pas lire. Ah, voilà qui dit qu'elle arrive demain. Je pense qu'elle a déjà écouté le voice. J'ai dit que confirme-moi, s'il te plaît. Parce que le gars attendait. Voici la capture d'écran. Parce qu'elle dit qu'elle m'envoie les choses, c'est comme si j'étais seulement folle, je prenais les choses, je l'envoyais. Voici où le gars, je parle avec le gars. Attends, on va voir le nom du gars. Le gars s'appelle Kadé Limoges. Je parle avec le gars. C'était un jeudi. C'était le 14, parce qu'elle devait quitter là-bas, aller sur le truc de Lady Ponce là. C'était le 14-8. Voilà ça. Parce qu'elle fait écouter, elle ne dit plus que c'était ça. Quand je cause avec le gars me confirme maintenant. C'est comme ça que je l'envoie. Elle m'appelle, on cause. Et après, maintenant, le gars m'appelle. C'est où je viens lui demander que confirme-moi, s'il te plaît. Elle me confirme, elle me dit qu'elle arrive demain. Voilà ça. Elle arrive demain. Non, je te disais que bonjour. Je te disais que vous arrivez demain mercredi et repartir jeudi, vendredi, que ça va être tout. Personne ne veut m'utiliser. Oui. Quelle est sortie m'inciter. Là-bas pour qu'on continue. Pour repartir vendredi en Allemagne. Je pars en Allemagne vendredi. Voilà, attends. Elle partait en Allemagne vendredi. Hein. Je pense que c'est le vendredi qu'elle devait partir avec compresseur. Oui, ils sont partis là. Elle est rentrée, elle-même s'est plaindre que la dame a seulement donné 200 euros. Et qu'elle devait les faire, on devait les faire le virement après. Elle est rentrée, elle se plaint. C'est pour ça que quand on l'a encore invitée dernièrement, là, parce que normalement, elle devait être avec compresseur à... Flore devait être avec compresseur à... Oh, comment on appelle même la ville là? C'est toujours en Allemagne. Elle devait être avec compresseur en Allemagne. Elle a dit à la dame là qu'elle préfère être seule. J'ai dit que pourquoi compresseur ne parle pas. Elle dit que non, compresseur, elle a raconté des choses. Bref, elle a raconté beaucoup de choses. Donc, elle a dit à la dame de choisir entre elle et compresseur. C'est trop juste. J'ai une soirée là-bas. Tu vois, ça, c'est seulement dès mon retour. Donc, lundi prochain, c'est mieux. Le lundi prochain, là, elle est venue. Je vais quitter l'Allemagne lundi. C'est le lundi prochain, là, qu'elle revient. Elle oublie. Elle oublie toutes les choses, là. Demain, prendre le transport pour arriver loin là-bas. Hein? Donc,
savait que je suis arrivée jeudi, quitter pour aller là-bas. Non, ça fait trop court. Moi, c'est marrant, on fait ça. Voilà, attendez, je vais vous faire écouter. Je pense que ça, c'est le voix du gars là. Maître, dis-moi, je suis pas là. J'arrive le soir. Donc, attendez. Si tu veux, tu peux venir mercredi soir. Mercredi soir, regarde. Ouais, Biba, tu peux venir mercredi soir si tu veux. Elle se moquait que je m'appelle Abiba. Elle-même, son pseudo, elle donne Bianca aux gens. Elle ne donne jamais son vrai prénom. Non. Si tu veux, tu peux venir mercredi soir. Attends. Ok, je viens mercredi soir. Je viens mercredi soir. C'est comme ça que je transfère maintenant pour qu'elle confirme. Il y avait une fille là-bas, c'est quoi, elle? Donc, je lui transfère le voice pour qu'elle confirme que le gars a validé pour mercredi soir. Elle allait en allemand. Le truc qu'elle vous dit qu'elle m'a donné, là, les enfants lavent les trucs avec. Les enfants lavent le sol avec. Dis où tu as pris sa Flo. Pourquoi tu n'as pas ramené ça que je vais leur dire que je peux leur donner le numéro. Flo, dis aux gens pourquoi tu n'as pas ramené le truc pour laver le sol là-bas chez toi. Parce qu'on allait reconnaître. C'est pour ça que tu m'as fait cadeau de ça. Quand tu entres chez quelqu'un, tu ne sors jamais les bras ballants. Si moi j'ai déjà pris quelque chose chez une personne, viens témoigner. Tu entres avec les mains vides, tu sors toujours avec quelque chose. C'est pour ça qu'elle m'a fait cadeau de l'aspirateur là. Pour laver le sol. Voilà ça. Qui avait d'abord quoi là-bas? Voilà, écoutez. Je connais là où il habite à Paris. J'étais là-bas, non? Elle parlait d'Amère Camère. Je suis mon ami. Donc, c'est pas comme si c'est que machin chouette, non? Il a déjà quitté là-bas. Et quand tu vois une maison comme ça abandonnée, quand même les nourritures, même elle-même ne part pas là-bas. Ils mettent des gens qui ne savent pas. Ils gagnent l'argent sur ça comme ça. Là, sur l'argent sur une maison qui est vraiment le sang. Quelqu'un qui est décédé. Pour rester avec la... Quand elle dit quelqu'un qui est décédé, elle parle de la dame qui avait l'appartement d'Amer Kamer. La dame est déjà morte. C'est parce que, tu vois, je vais vous montrer. Quand le gars commence à réclamer, parce que je reste d'abord, le gars m'envoie la photo. C'est chaud, hein? Flore avait déjà enlevé. Attendez, je vais même vous montrer. Puisqu'elle veut elle veut me faire passer pour une prostituée. Alors qu'elle-même, elle est prostituée. Pro-max. Voilà ça. Ça, c'est quand on devait aller au Luxembourg. On était parti. Ah oui, j'ai vu où ça se trouve. C'est très bien placé. À la ligne H à la gare du Nord. Ah non, ça, c'est que. Elle cherche le logement ici, là. C'est moi qui lui cherche le logement. Je vais prendre ça. Non, je pense que c'est bon. Je prends ça. En plus, c'est une maison. Ça fait qu'elle en a été au moins. Je vais vous dire pourquoi elle fuit l'île. Elle fuit Compiègne. Elle a les aériens. Elle a 8 mois d'aériens. Ouais, je suis encore sortie sur ça. Oh, je vais encore chercher. Voilà, ça, c'est moi qui cherche la maison. Hein. Elle ne sait rien faire. Même ses démarches. Je suis venue trouver cette fille ici en Europe. Mais c'est moi qui l'aide pour faire ses démarches. À faire ses démarches. Elle veut se rapprocher de Prezi à Moto, qu'on les réconcilie. Au lieu de partir ailleurs, si ce n'est pas dans le 95, je préfère rentrer à Lille. Je ne vais pas être loin de la famille. Quelle famille? Tu veux te rapprocher de Prezi à Moto, qu'on vous réconcilie. Tu as tout fait. Tout ça, là, c'est facile. Moi, tu as tout fait pour que les Ponce vous réconcilie. Amota dit que nada. Voilà ça. C'est moi qui regarde comme ça. Je prends le temps. Ça, c'est les enregistrements. Elle espionne les enfants qui sont là-bas, qui viennent souvent là-bas chez elle. Elle espionne les enfants là. Je ne sais pas si ça, c'est ce qu'elle avait espionné. Et ça, ah non, ça, elle dit qu'elle était contente de sa nièce. Non, c'est la nièce qui avait filmé parce que quand tu fais le ménage, tu dois filmer la maison, l'envoyer pour qu'elle confirme. Et c'est comme ça que, étant ici, elle est suivie. Si l'enfant s'assoit sur la chaise ici, elle va appeler, crier. Vous savez comment d'autres femmes, les femmes qui n'ont pas d'enfants, ont souvent le cœur. Elles viennent faire devant les gens comme si elles étaient trop gentilles. Oui, on a déjà mis, je vais changer et remettre plus gros. Mais toi, tu ne vas pas mettre trop gros. Tu vas mettre un peu comme pour Fabrice là. Tu vas mettre le D. Bien le on va voir sur place. On va nous montrer d'abord. Ça, c'est pour les seins. On va choisir. Moi, je veux autrement. Soit, moi, je veux diminuer un peu. Soit, je remonte. Ça va. Depuis qu'elle était là, dans le noir, là, je suis sûre qu'elle est partie faire. Parce qu'on devait aller ensemble. Je discute avec elle alors. Tu lui dis que, écris seulement que tu as reçu le devis.
Moi, je discute avec elle. Si elle tombe, d'accord, je prie que j'ai dit, je prie que je vais discuter avec elle. Quand je dis d'accord. Je ne lis même pas les commentaires. Quand on voit par rapport aux dates. Mais n'oublie pas, il faut aussi qu'on tient l'Owe de Pago là. L'Owe de Pago, je vais vous dire le truc qu'elle appelle l'Owe de Pago. Elle a pris la photo d'une fille, elle a posté pour faire croire que c'est une fille qui cherche l'appartement à lui. Nous, on est tombé sur un monsieur qui vit au Canada. Comme c'est Flore, c'est une profiteuse, elle voulait que je paye seule. On est tombé sur donc le monsieur a contacté Flore pour dire à Flore qu'il a un appartement, il laisse à 600 euros le mois, puisque lui ne vit pas là-bas, il vit au Canada. Et on doit donner un mois de loyer, un mois de caution. Normalement, Flore doit sortir un mois de loyer, soit moi je sors un mois de caution. Elle ne veut pas sortir, donc c'est moi qui dois payer 1200. Alors qu'elle comptait que si on nous opère, on rentre, on peut se reposer là-bas, on se cache, on ne la voit pas, on ne nous voit plus. J'ai dit que moi, même si je rentre, on ne peut même pas me voir, je ne m'affiche pas et je n'aime même pas d'abord les photos. Alors on va rester. Voilà. Écoutez. Pourquoi? Oui, on m'a déjà mis, je vais changer et remettre plus gros, mais toi, tu ne vas pas mettre trop gros, tu vas mettre un peu comme pour Fabrice là. Tu vas mettre le D. Bien le B, on va voir sur place. Et les B ou les B de ça. Moi, nous montrons à choisir. Moi, je veux autrement. Soit moi, je veux diminuer un peu. Soit je monte. Ça va dépendre de la pomme de mes seins, comme ils disent. Donc, je discute avec elle alors. Tu lui dis que, écris seulement que tu as reçu le devis. Moi, je discute avec elle. Si elle tombe, d'accord, je prie que j'ai dit, je prie que je vais discuter avec elle. Quand je dis d'accord, on donne les dates. Toi et moi, on voit par rapport aux dates. Mais n'oublie pas, il faut aussi qu'on tient l'oreille de parole là. Tu vois un peu quand on va rentrer, c'est là-bas où on va rester. Mais... Et pourquoi? À la dernière minute, elle n'avait même pas 5 francs. Flore aussi choquée parce qu'elle comptait sur la tontine. J'ai dit qu'on ne donne pas la tontine à Flore. J'ai prévenu mes soeurs que si vous donnez la tontine à Flore, elle ne va plus cotiser comme elle a les problèmes avec moi. Elle a créé des problèmes aux filles comme ça là-bas à Lille. Quand elle entre dans une tontine derrière toi, si elle a les problèmes avec toi, elle ne tontine plus. Ça cale sur ta tête. Puisque c'est toi qui ramène, c'est toi qui est venu dans la tontine avec Flore. Elle ne tontine plus. Ça va caler que sur ta tête. Hein. C'est comme ça qu'elle est. Quand j'ai eu des problèmes avec elle, elle devait prendre la tontine le 15-6. Elle a commencé à appeler pour mettre la pression et tout, pour qu'on lui donne la... J'ai dit à ma soeur que si tu lui donnes, elle ne va pas tontiner. Et Flore, je vais te dire aujourd'hui, la tontine, là, je vais retirer l'argent d'Alès dedans. Je vais retirer l'argent d'Alès dedans. Pour Amer, tu dois maintenant gérer avec eux. Parce que là, Freddy ne réclame plus l'argent. Donc là, tu vas gérer avec eux. La boisson, tu vas gérer. Mais je retire l'argent d'Alès dedans. Oui, je vais retirer l'argent d'Alès. Le reste, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Oui, bonjour, madame Flore. Donc, voilà votre devis. Si vous voulez faire 3 ânes, ça veut dire le ventre et le ventre panier d'amour, le dos et là, le déjà pris goût de la chirurgie. Avec le défi, donc votre devis sera à 5 000. Donc, j'ai négocié pour vous par rapport avec l'administration. Donc, on va laisser à 5 000. Par contre, pour madame Coco, si elle veut faire les 3 ânes, ça veut dire ventre, poignée d'amour, le dos, augmentation mammaire, donc le médecin a vu qu'elle a besoin d'un lifting, sinon elle n'aura pas de résultat, plus l'abdominoplastie pour rendre le ventre plat et enlever la peau relâchée. Donc son devis sera à 6 005. Merci. Elle s'est arrangée avec la dame de 6 005. Maintenant, quand elle m'a renvoyé ça, elle me dit d'abord que BLS, je discute pour toi. Comme je sais que je connais l'élément. Comment tu vas discuter pour moi? Que Béné, je discute une fois avec pour toi. Maintenant, je pars avec un autre profil. Maintenant, je pars avec un autre profil pour prendre un peu le défi comme si ce n'était pas moi. On me parlait de 4 300. Alors que elle, la dame, si elle s'est arrangée avec elle, elle dit 6 500. Puisque Flore doit faire sa publicité. Elle doit aussi gagner. Donc, elle a arrangé avec la dame. La dame dit, je pars maintenant avec un autre numéro. Je pars maintenant avec un autre numéro prendre le défi. Ce n'est plus le même prix. Et tu sais que toi et moi, on ne fait pas la même chose. Moi, je fais seulement la liposuction, des cuisses, le dos, parce que l'abdominoplastie, mon ventre, on avait déjà rendu ça en plat. On ne peut plus toucher. Quand je te l'avise, parce que non, on ne peut plus toucher, on ne peut plus encore faire la lipo. Donc, je vais changer ma poitrine.
Elle veut changer la poitrine. Attendez, elle veut vous dire de changer la poitrine parce que ses bouts de seins ne sont plus sensibles et ce n'est pas bien. C'est ça qui cause le cancer. Donc, parce que là, elle n'est plus sensible, elle ne ressent plus rien sur les bouts de seins. Alors que normalement, quand on opère une personne, au bout de 10 jours, tu dois commencer à ressentir. Quand on touche les bouts de seins, tu ressens même quelque chose. Là, elle ne ressent plus. C'est pour ça qu'elle va enlever le truc là. Où elle était partie chez l'autre monsieur en Turquie, en Tunisie, on l'avait plutôt mis autre ballon. Donc là, les bouts de seins là, elle ne ressent pas. Même le plaisir, elle ne ressent plus sur ces bouts de seins. Donc, il faut changer. Le ventre, c'est quelque chose que tu peux tout porter. Ça n'empêche pas, c'est la peau. Attendez, je lui dis ceci. Tu peux tout porter tes deux embryons, il n'y a pas de problème. Maintenant, tu sais que j'avais les embryons, alors que... Tu me laisses aller du bébé. Quand tu dis que ton ne peut plus toucher ton ventre, moi, quand on va faire ça, quand je vais aller, quand on va faire, quand je vais rentrer là, quand j'aurai envie de remettre mes deux embryons là, je ne vais pas encore porter le monnaie dans mon ventre. Essaye un peu de les demander le côté, la voix. Même les gars, si vous jouez seulement avec la vie. On te taille le ventre jusqu'on coupe la peau. C'est pour ça que j'ai posé la question que comme j'ai encore mes deux embryons congelés, est-ce que je vais encore porter le Mouna si je fais, si je pars, on me fait. Si je passe au ministère du Soya, est-ce que je peux encore porter l'enfant? C'est pour ça qu'elle me rassure. Le ministère du Soya, tu peux tout porter, ça n'empêche, c'est la peau. Tu peux tout porter tes deux embryons, il n'y a pas de problème. Donc si tu veux que je discute pour toi, tu me laisses alors discuter. Si je discute, viens vers toi. Et tout, je discute avec elle, me répond, je discute. Et tout. Là-bas, hier, on t'avait proposé 5 000 euros. Bon, on m'a dit que 5 500 pour toi. Moi, je vais proposer ma part 4 300. Parce qu'en dehors de ça, elle ne va pas accepter plus bas que ça. Voilà. C'est mieux. Encore dit que si. Oui, non. Voilà les scènes de mon ami là. Parce que je l'ai envoyé ça parce qu'elle veut faire, elle veut maintenant faire comme si c'était un Congo ça. Même mon ami l'avait déjà envoyé ses seins. Personne de ça. Ma copine l'avait déjà envoyé ses seins. C'est une belle fille. Ma copine, c'est une belle fille. Elle veut me créer des problèmes avec ma copine. Ma copine l'avait envoyé ses seins. Ah, ma. Si on mettait les mots comme ça sur YouTube, c'est que nous sommes à partir de Ngata. Ceux qui vont porter la vidéo sans vérifier vont jeter sur YouTube. Moi, je suis partie sur YouTube. J'ai vu une jeune petite fille. Je pense qu'elle est congolaise. Elle avait fait ça. Elle pleurait. Ça faisait mal. J'ai dit que, ah bien, j'ai vu la photo. J'ai vu une vidéo là. Elle me dit que non, quand tu vas faire la chirurgie, ne regarde pas là. Si tu regardes, tu ne vas pas faire le truc. Et ma copine m'a bien dit la vérité que ça fait mal quand on commence à te faire le truc. Voilà le numéro. Non, ça, c'est le numéro de l'autre clinique. Parce que là, elle a vraiment pris goût. Elle trouve les défauts partout. Voilà la clinique que ma copine m'avait donné, le truc de lui donner. Donc, si vous êtes deux, donc je l'expliquais, non? Je l'expliquais comment la dame avait dit que si vous êtes deux, vous avez que la réduction de 20%. Voilà ça. C'est moi qui prends le temps de lire les avis. Et l'hôpital était bien. Je prenais le temps de lire les avis pour elle. Placer les vos. C'est comment tu opères. Les gars, si blague avec leur corps, on découpe. Normalement, on recoupe. Tu devais aller au Brésil. Après, tu as maintenant changé d'avis quand Samantha a eu le truc. Tu veux Samantha a eu l'autre réseau. Pour tes deux enfants. Tu es parti parce que depuis que tu es dans le noir, tu étais à l'hôpital. Hey. Bah ça. C'est à l'hôpital. Oh, que c'est la peau, ce n'est rien. Donc, quand on porte le vent, quand on est enceinte, n'est-ce pas la peau, c'est élargi, ça s'épaissit. Et c'est ça qu'on va enlever. C'est-à-dire quand ça va gonfler, là, ça va se déchirer. Parce que... Maman. Toi, tu n'as pas. Les filles, tu connais, je joue avec la vie. Hein. Toi, la coco, tu joues avec toi. Je suis avec depuis que je suis avec toi. Tu veux si tu montres mes enfants. Moi-même, je ne veux pas aussi parler. Parle, maman. Je vais prendre l'autre téléphone parce qu'elle a montré un truc que je colle souvent à la chasse. C'est quand elle veut se branler que je ne suis pas à côté d'elle qu'elle me dit que B, envoie-moi quelque chose, je me branle avec. Elle me dit que B, parce qu'elle a montré ça aujourd'hui comme si c'était mes vidéos. Que c'est ce qu'elle prend, elle colle les voix sur toi, tes vidéos. Et elle a parlé aussi de l'engagement.
Quand elle a clashé Stella de Caribou. Écoutez, c'est elle qui me demande de l'envoyer ça. Parce qu'elle voulait se branler. Écoutez ce qu'elle va hey, dire. Coco, parce qu'elle fait maintenant comme elle si montrer son j'étais top. Folle. Hey. Que je l'envoie où on bouffe. Envoie-moi d'autres où on bouffe. C'est moi ici. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est les vidéos que je retire dans des vidéos qu'on partage aux gens. Envoie-moi où on bouffe, pardon. Ah, quand ça. J'envoie ça. Une fille là comme ça, là, les cartements, hein. Et c'est trop court. Voilà, ça là c'est trop court parce qu'elle veut, elle veut bien se concentrer. Elle dit que ça là c'est trop court. Envoie-moi c'est bien long. Mais envoie-moi ce qui est long, non. Ça là c'est trop court. C'est trop court. Okay. Mes yeux. Je vais vous expliquer. Vous cherchez la combinaison en plastique que les femmes qui font le maquillage la dorment avec. C'est des combinaisons en plastique. C'est comme le gant qu'on lave les qu'on met dans les mains là pour laver les. Que tu fais souvent le ménage avec. Il y a la combinaison de ça pour les femmes qui font le comment maquillage. Comment je ne vois pas les commentaires ici? Ça ne bouge plus depuis sur YouTube. Voilà ça. Ah. C'est comme ça que elle m'appelle. Moi. Elle était en Turquie. Aïe, aïe. Elle était en Tunisie quand l'affaire de Sandra Marie, Marie-Sandra là a commencé. Elle m'appelle, elle me dit que ben, cherche-moi les photos. Des bonjour, Adisa. Ils ne voyaient pas les commentaires. Ils ont fait le caribou. Je vais nommer Stella Caribou. Voilà, ça, c'est moi qui cherchais. Si vous vous rappelez, elle a posté ça sur son mur. On a que de montrer les elle voulait s'attaquer à Stella Waffle, Stella Amoury. C'est moi qui l'envoie ça. Vous êtes irréprochable. C'est nous les méchants. Ah, ça. Voilà ça. Un toté. Quand je vais finir avec ça, je vais commencer avec l'option des enregistrements. Si on dit que j'enregistre les gens, c'est pour les cas comme ça, surtout Flore là. Flore, c'est le style que tu dois toujours l'enregistrer à tout moment. Parce que donc, là où elle est là, quand elle prend déjà son coup, elle ne se contrôle plus. Elle peut se lever à minuit, elle commence à t'insulter pour rien. Elle dit que je parlais de ma copine. C'est moi qui lui dis appelle ma copine, Fabrice va mal. Je veux les couches. J'ai envoyé. Elle dit qu'elle veut les couches. Ça, c'est quand j'avais les problèmes avec Nadège Mbappa. Puisque Laure avait mentionné sur d'autres voces que j'avais donné les couches. Elle me dit qu'elle veut les couches. Je veux les couches. C'est les couches là que je l'avais envoyé. C'est sur l'autre téléphone. Bonjour mon bébé Adida. Des fois où je ne voyais pas les commentaires. Chez moi c'est bloqué là, je ne sais pas pourquoi ça se trouve. Dans l'autre téléphone. Non, j'ai pas disparu de Facebook, je suis là. Mais quoi, ça va faire un bon bout de temps que je ne vais pas passer. Trop facile de se lever, tu fais ce que tu fais là. Chaque fois je ne parle pas, tu continues. Chaque fois tu fais, je ne parle pas. Il te cherche hier. Mon truc ici avec les mamans qui sont en paix, mais tu me lances toujours les pics. Tu dis que je dois désactiver. Moi, tu dis que tu n'as pas appelé l'héritier de mon père. Tu l'as bien appelé, Flore. Même la conférence, j'ai refusé. J'ai refusé la conférence avec toi. Tu as eu honte parce que si peut-être les Nadège me soutient, ça peut faire ceci. Tu viens maintenant, tu veux cogner les têtes. J'avais publié la photo de Nadège, l'enfant de Nadège. J'ai envoyé la photo de l'enfant de Nadège quand? Puisque j'ai eu les problèmes avec Nadège le 16. J'ai eu les problèmes avec Nadège le 16. On était en guerre. Puisque Nadège aussi, Nadège a envoyé mes photos avec le costaud à Ouakatolo. On était en guerre. Et je ne t'ai même pas envoyé à toi. C'est à compression que j'ai envoyé ça. Compression était en train d'apprécier la petite fille là, qu'elle est mignonne, la petite fille de là. Je ne savais pas que Compression pouvait te renvoyer parce que tu as dit dans ton truc, qu'elle a envoyé à Compression. Donc moi-même qui avec toi, je ne t'envoie pas parce que je ne te fais pas confiance. J'avais envoyé à Compression parce que je faisais confiance à Compression. C'est pour ça que je l'ai envoyé. Je ne savais pas qu'elle pouvait te transférer. Bibiche du quoi? Dans l'enregistrement où vous êtes en train de me demander que Coco, tu n'as rien, même si sa fille, même si c'est sans, j'avais sa fille. Attendez. Tu n'as rien sur la fille de Nadège.
même tes conversations avec elle, et tu viens jouer à celle qui est la victime. Bibi, tu dis qu'on le croit ou pas, tu es dans quoi? Oui, c'est un commentaire, là, c'est parti. Croyez-le ou pas, je suis la communauté depuis 2 ans et beaucoup de tristesse. Ouais, le téléphone que je fais en direct avec là. Oui, il y a des choses là. Parce que j'ai 4 téléphones. Maman, 4 téléphones, tu sais quoi? Je fais le direct sur mon téléphone personnel. On nous a montré les fesses ici en ligne. Chaque fois que tu parlais, je ne parlais pas. Si tu ne venais même pas m'insulter sur Facebook, j'allais prendre tous les injures de Nadège là sur moi. Je n'allais même pas prouver que j'ai essayé de refuser. Je n'allais même pas envoyer ton enregistrement dehors. J'allais laisser. Si je voulais cogner la tête comme tu dis, j'ai un enregistrement que Bachot avait envoyé à Compressor. Bachot avait envoyé ça à Compressor. Parce que quand Nadège et moi faisait les problèmes, j'ai dit que c'est Antoine Bachot qui est venu dire les choses à Nadège, à Flore. Puisque je devais dire à Nadège que j'ai appris où. Puisque c'est Antoine qui est venu te dire. C'est Antoine qui est venu te dire. Après, le même Antoine t'appelle encore. Comme il voit que tu ne clashes pas, tu ne fais pas de problème avec moi. On avait bagarré, tu ne voulais même pas les montrer qu'on avait bagarré. Antoine t'appelle, tu me dis que Antoine dit que les voix que tu as laissées. Alors que toi, le voix que tu as laissé à Nadège, tu as copié, envoyé à Antoine Bachot. Antoine t'a donné le numéro de, je ne sais pas où c'est Ghislaine ou c'est qui, un de ses frères. Il t'a donné le numéro. Tu as aussi transféré ça là-bas. Où c'était Ghislaine ou c'était qui, j'oublie. On était chez Alès. Maintenant, tu vas venir faire que je te parlais de Nadège. Je te parlais de Nadège alors que j'étais toujours menti que j'ai vu Nadège en 2019. Une seule fois, Nadège. Vous avez envie de te répondre, mais je n'ai pas envie de te dire quelque chose aujourd'hui, Flore. Même quand je traîne avec Nadège et que Nadège veut clasher l'enfant de compresseur, si Nadège honnête est pédie. Si Nadège est honnête, Nadège est pédie. Je dis toujours à Nadège que non, ne fais pas ça. J'ai envie de te répondre, Boubounette. Mais en même temps, je ne veux pas couper le direct. Insulte même compresseur, insulte même la mère de compresseur. J'ai envie de te répondre en vrai. Moi, je disais ça à Nadège chaque fois. Si je voulais vendre Nadège ou vendre compresseur, je peux être avec Nadège. J'appelle compresseur que compresseur. Je suis avec Nadège. Viens d'abord baisser ça, même ça ne dérange pas. Toi, tu écris ici que tu quittes. Si tu veux quitter, tu quittes Boubounette. Il n'y a pas de problème. Oh, là où tu es abeille, comme tu as dit. Là où on insulte Flore et tout, tu n'es pas d'accord. Tu ne restes pas. Et tu dis que pourquoi je n'ai pas mis le direct de Flore de Lille avant machin truc. Ma chérie, c'est toi qui fais mon programme. Il ne sait même pas si tu es là au début du direct. Mais j'ai bien dit ici que Flore de Lille était en direct hier. Tu penses que moi-même, je peux voir comment je peux travailler mon argent et tout, je laisse. Il n'était pas dans les bonnes positions hier et c'était pas obligé qu'il mette son direct. Il peut mettre ce que je veux, comme je veux. Comment il avait dit ça? Depuis hier, j'ai même déjà mis une de ses vidéos en direct que je devais publier aujourd'hui. C'est qu'elle a fait avant de faire ce direct-là. Ce n'est même pas la bonne affaire. Pourquoi tu n'as pas la mis tel? C'est moi qui gère ma chaîne. Il n'y a pas que c'est monté, c'est descendu. Ici, là, les bêtises qu'elles font, elles sont en train de faire, ça ne me dit absolument rien. Tant qu'il me cherche, tu comprends? Donc ne pense pas que lui, tu as mis ça parce que tu n'aimes pas. Je m'en fous. Je ne suis pas là pour regarder. Flo a raison, Flo n'a pas raison. Ce n'est même pas mon problème là-bas. C'est le manioc de sang quand ils sont là-bas. Il faut que tu comprennes bien ça. Sonia Machin qui dit merci, Bobinet. Une personne comme ça, c'est une grande manipulatrice. Et elle n'a rien qui prouve. Bon, là, tu parles concernant Coco. Mais moi, il parle me concernant. Quittons ici les quotas. Porte tes quotas ou quoi, vous partez. Ici, c'est Cameroun, Afrique, Japon. Pas besoin de prendre le parti de quoi que ce soit. Ça ne chauffe pas. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est bon à toi que je vais mettre seulement les directs. Si je mettais seulement les directs de Floyd, où elle lave les... Donc, à l'autre là, c'est bien. Il faut arrêter ça. J'ai même prévu passer le direct de Floyd là. Mais comme tu fais les bruits là, même, il ne passe même pas ça. Mais en même temps aussi, je ne peux pas faire les choses en fonction de toi. Ça veut dire que je vais passer ça. Tu as compris? Merde. Tu veux que je te savonne un peu le matin? Eh, Boubounette, j'apprends à lire quoi? Tu écris là-bas, allons les quotas, quittons d'ici.
Pourquoi, comme c'est un droit de réponse, j'ai lu ça, je pense que je n'ai pas lu. Tu as dit que c'est un droit de réponse, ça veut dire forcément qu'il devait avoir le début. Il va mettre le début comment quand le direct est en train de se passer. On prend quelque chose en direct, on gère d'abord avec. Et maintenant, après son direct, je peux expliquer deux ou trois choses. Même pendant le direct, je peux expliquer deux ou trois choses comme maintenant. C'est comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas venir me contrôler sur ma chaîne. Tu ne peux pas venir me dire, je connais comment je fais mon work. Retiens seulement une chose, ils m'en foutent éperdument de leurs histoires de sans caleçon ou quoi pour dire que je vais favoriser quelqu'un ou quoi. Ça ne me dit absolument rien. Ça veut dire que je peux mettre même 100 directs de coco et tout, je ne mets pas pour Fleur de Lune. Parce que je sais que ça va peut-être prendre, c'est pour ça que je mets. Comme je peux faire l'inverse, je ne suis pas en train de regarder qui a tort, qui a raison, sans caler, je m'en fous. Il faut que je te dise ça avec les autres qui pensent comme toi, que vous compreniez bien. Ici, là, c'est comme on a fait Japap. On framponne. On n'a pas besoin de prendre un parti. Oui, tire-toi. Tu ne fais que dire que tu te tires, tu joues la part. Moi, je ne veux pas être désagréable avec quelqu'un parce que je ne suis pas comme ça et vous le savez. Donc, il ne faut pas venir le grand matin, tu fais les choses un genre. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi, Bobounette. Je parle concernant, mais tu as dit que vous partez aussi, sinon je te mets dans le truc. Ah, la sorcellerie, apprends à lire et à lire ça. Non, moi, c'est une histoire de travail. Je parle. Bonne journée, monsieur. Bonne journée, Bibiche. On continue. Il a mis une vidéo de Fleur de Lys en direct, en ligne là. Mais c'est le direct qui fait que je ne laisse pas ça. Et après, je vais mettre pour Fleur de Lys. Je ne laisse pas. Parce que ça va payer. Donc, ne viens pas me raconter les histoires ici. Je cherche mon argent. Voilà, Julien, mais oui, c'est comme ça. Je vais laisser le direct de Fleur de Lys comment. Et pourtant, ça peut me guider le dos. Je vais mettre. Mais il choque d'abord ici, vous, ça en direct. Pourquoi je n'avais pas envoyé à Nadège? Je pouvais bien Tamponne, envoyer à Nadège parce coco. que j'étais choquée. Il est venu raconter les choses sur toi. Sur moi. Il est venu te dire des choses sur moi. Dire comment je faisais tout ce que j'envoyais à Nadège. Il était là et tout et tout. Il y a ça. Il a raconté tout ça dans le voice qu'il a laissé. Comprenez? Tu es étonné que, mais tu es en contact avec Nadège, papa. Elle était étonnée. Tu viens dire que je parle de Nadège. Je parle, on a déjà les choses sur toi parce que je prouve toujours à Nadège tout ce qu'elle va sortir sur toi, je vais assumer. Parce que c'est moi qui l'envoyais. Puisque tu m'insultes, même quand t'appelles, tu m'insultes, derrière tu es avec moi. C'est pour ça qu'avec toi, même ton simple bonjour, on enregistre, Flore. Ce n'est pas tout le monde qu'on enregistre. Mais toi, je t'enregistre. Tu sais très bien que je t'enregistre. Si je n'envoie pas à Nadège regarder, je sauvegarde dans mon autre téléphone. C'est comme ça que je fais avec toi. Tu finis de prendre ta cocaïne, tu te lèves, tu commences à m'insulter. Nadou m'a d'abord appelé pour me dire que Fleur est très en colère. Tu es passé dans le direct, que je passe où je veux. C'est qu'est-ce Je que c'est passe, je ça? suis à Catalogne en train de faire un direct, que je vais passer là-bas, je vais passer. Flore, je t'ai dit dernièrement que l'influence que tu avais. Attends, je vais montrer ça aux gens. Bonjour Quand tu as Marie-John, commencé mon les problèmes, bébé. je t'ai dit que maman, c'était avant. On a même commencé ces problèmes depuis. L'influence que tu avais sur moi, maman, c'est fini depuis. Je ne suis plus là que tu viens faire et tout. Si tu ne m'insultais pas, j'allais prendre tous les injures de Nadège là. Je n'allais même pas prouver que j'ai essayé de refuser. Je n'allais même pas faire écouter les voix que j'ai fait écouter. Même ce que je suis allée dire là-bas chez la reine, j'allais garder ça. Parce que dans tout ça, tu n'es pas la seule. Tu n'étais pas la seule derrière le bar. Et tu ne me forçais pas de faire. On faisait ensemble. Tu venais avec les informations, on faisait. Tu dis que tu ne sais pas écrire. C'est ça qu'on voulait sortir un bon titre. C'est Prince Moufili qui nous écrivait ça. Ah ça. C'est pas Prince qui nous écrivait. Puisque toi aussi, nous sommes pareils. Je ne sais pas écrire, tu ne sais pas aussi écrire. Alors que c'est toi qui es, je ne sais pas. Envoyez les cœurs, ils sont en train d'envoyer les têtes de mort là. Ils veulent bloquer le direct. Ah ouais, les cœurs. Il doit work. Ouaka, comme ça, là, elle dit toujours une prostitute. Honte à toi. Quand tu appelles les gens prostitutes alors que tu es une vraie. Donc, tu es prostitute pro-masse. Pro-masse. Tu veux faire croire aux gens que tu es bien, que tu es ceci. Paye d'abord ton loyer. Paye le loyer où tu vis. Parce que maintenant, tu veux fuir. Tu veux aller à Paris maintenant. Tu as peur. Si... Là, tu profites parce que l'hiver arrive là. Tu profites, tu veux partir avant. C'est moi qui te cherche le logement. Comme ça, tu fuis, comme tu avais fui avec pour celui de Aimant Lebon.
Frampoun. À 20h, viens t'asseoir sur moi, tu me clashes encore. Je n'ai plus peur des clashs, c'était avant. C'était avant. C'est que comme tu as commencé, j'ai commencé à appeler pour dire que arrête, maman, fiche le camp, floor, clash-moi. Hé, pas en brousse avec ça. Qu'est-ce que tu vas dire sur moi qu'on n'a pas encore dit? Je suis sorcière. Si tu n'es pas sorcière, tu ne vas pas Sumita connaître Wama. Que la personne est sorcière. Nous, on était les deux sorcières. On faisait des choses ensemble. On a violé la petite fille. Comme tu veux citer le nom des gens, non, je vais citer. On va citer les contemporains. Quand on a violé la nièce de la gazelle Peul, on a dit que ça restait secret. Tu as tout fait. Les gens étaient au courant, alors que c'était le cousin qui avait violé la nièce. Tu étais en ligne avec la mère de l'enfant. Ils t'ont dit de garder le secret. Tu as balancé dehors. Le client arrive, il vous donne un chèque. Tu sais que c'est un chèque en bois. Mais tu fais, la gazelle Peul te donne l'espèce. Quand la fille part déposer, on voit que c'est le chèque en bois. Pour rembourser son argent, c'était un problème. Et c'est toi qui viens dire Samy. Donc, le client va gnasse pour rien. Je t'ai dit l'autre jour, je préfère traîner avec Nadège que de traîner avec toi. Les clients sont forts. On travaille, on partage. Là. On met l'argent dans le même panier, après on partage. Alors qu'avec Nadège, chacun garde son argent. Il n'y a pas que. Parce que tu es déjà que je travaille plus que toi et après on partage l'argent ensemble. Nadège n'a pas dit qu'elle ne vend pas le piment. On doit mettre l'argent dans un même panier pour que tout le monde rentre content. Tu es là, ça ne marche pas. Même avec le soya que tu fais, ça ne marche pas. Il faut qu'on appelle de gauche à droite. Il faut brûler le cou de girofle. Il faut faire ceci. Je suis à côté de toi, je ne brûle pas, mais je cartonne. C'est toi qui n'as pas fait la chirurgie. C'est toi qui n'as pas fait le truc. Tantôt, on a seulement fait. Tu n'arrives plus à bien travailler. On met l'argent dans le même panier. Quand on veut rentrer, il faut partager à deux. Que tu m'exploitais, non? Je ne m'appelle pas. Tu vois le djangui que tu bouffes. La femme du pays t'a donné 1500 euros. Pourquoi tu n'expliques aux gens que même la dame que tu insultes souvent, qu'elle a un long clitoris, j'avais pris l'argent chez la dame, là, j'ai chop avec toi. Pourquoi tu ne dis pas? Si vous partez sur YouTube, vous allez voir la vidéo où elle est en train de. J'étais en train de faire les problèmes avec elle, elle me traitait de gigolo. J'étais à côté, je disais que oui, je prends, je chop avec toi. Rembourse alors tout ce qu'elle t'a payé pour ton bébé. Éprouvette. Et pour faire venir tous tes enfants. Pourquoi je veux rester? Elle me dit que oui, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Quand tu fais, quand ça tourne mal, l'angasse est donc. Elle nie toujours les choses. Elle n'accepte jamais. Donc toi, tu es là, tu es au milieu. Même si on prend l'appartement Airbnb, c'est mon nom qui est devant. Et la bagarre et tout. On ne rentre jamais comme ça que on a remboursé la caution des gens. On arrête toujours parce qu'il y avait bagarre. Les deux ingassis sont allés un dolo. Nous, on ne peut rien là-bas dedans. Ce n'est pas à notre niveau. Et elles vont toujours revenir. Parce qu'il faut vous dire ici, ce n'est pas la première fois. Pardon, excusez-moi. Je me rappelle, c'est là un truc comme 4 ans, en 2018. On a géré toujours un dossier pareil. Ce n'est pas la première fois. Et avant ça, il y avait déjà eu un truc encore. En 2016, comme ça, là, il y avait un truc. Avec toi, surtout pour l'enfant. L'enfant que tu discutes, tu peux aujourd'hui insulter. Voilà ça. Quand j'ai pris les préservatifs, ou on avait pris les préservatifs, elle me dit que bé, garde pour moi. Je t'ai donné combien de paquets? Tu achètes encore ça? Et c'est toi qui viens insulter les préservatifs, insulter les waka. Alors que tu es une waka. Tu n'as pas même de passe ma part. Tu es une waka routière, même en route, tu sais tacler. Parce que tu es d'abord, quand tu t'habilles, même tu attires les hommes, tu tacles. On ne marche jamais avec toi comme ça, on rentre à deux. Si on sort, tu vas d'abord aller couper. Les anciens waka du pays, là, tu fais même ça en bain. Anne-Lise Taïsé Dredi, Coco, tu as fait quoi pour Flore? Hein? Coco a travaillé pour Diva Joy Bond et continue à travailler pour. Envoie la tablette de Kadé. C'était pas ta tablette. Et puis je ne peux même plus partir là-bas parce que il me demande ça. Renvoie sa tablette. Les affaires de l'échement, si. Ah, c'est comment? Oui, je viens d'arriver à la maison. Je suis fatiguée parce que j'ai eu mal au bas avant mes règles. Mal! De ça, c'est quand elle devait venir me voir, le 22. Elle me demande si elle vient avec le poisson fumé. Elle va à la ville. Parce que c'est elle, elle a juste à vendre.
jusqu'à vendredi, envoie-moi la vie. C'était à Limoges chez Kadé. Il faut qu'il mette voilà, aussi ma tête. C'est un camé. C'est une personne qui ne fait pas le waka. C'est un camé. J'ai dit que non, je suis un Ivoirien. Il m'a laissé les clés, il est parti. J'ai dit que non. J'ai dit que bébé, prends une fois ma nourriture qui est à la maison, tu vis avec. N'oublie pas les condiments du pays. Je vais rentrer une fois avec. Et mes habits que tu avais achetés au Togo. Parce qu'elle m'avait acheté les habits. Elle m'avait dit qu'elle avait acheté les habits au Togo. Mais elle a dit que non, j'avais dit qu'elle n'achète pas. Alors que quand elle est rentrée, elle me dit que oh, je t'ai gardé les boubous. Je t'ai gardé ceci avec la bouche. Maintenant, quand elle rentre, parce qu'une fois là, vous n'avez pas vu Flore sur Facebook. Quand elle faisait le direct dans le noir, elle était au Togo. Elle était au Togo. Vous savez, de temps en temps, il faut un peu aller activer le truc. Calamongo. Il ne faut pas activer Calamongo. Il vous mina bien dans la nuit. Oui, j'aime le sabotage. J'aime le sabotage. Quand elle me parle, vous ne voyez pas aussi qu'elle est en train de me saboter. J'aime le sabotage. Moi, je parle avec la preuve. Coucou, tu remontes encore les couettes, les notes que tu montrais tout à l'heure là. Je vais vous montrer pour la bouteille là, puisque elle dit que non, elle n'était pas chez Améka, mais je vais vous montrer quand le gars a commencé à m'envoyer. Quand le gars est rentré, puisque le gars vit à Châtre, le gars arrive là-bas, il trouve ma copine Samantha. Samantha ne boit pas. Comment je vais laisser pour qu'on accuse une personne qui ne boit pas? Pour elle, c'était qu'on laisse, comme Samantha est déjà là-bas. Oh, qui m'appelle? Pour elle, c'était qu'on laisse, comme Samantha est déjà là-bas. On ne sait pas qui a pris. Le gars m'envoie les photos. Attendez, je vais vous montrer. Samantha était là-bas. Samantha m'appelle. Samantha me dit que... Parce que je suis partie retrouver Samantha après. Samantha me dit que, ouais, il y a le gars qui dit qu'on a pris la boisson ici, on a pris les choses. J'ai dit à Samantha que tu vois. Alors, tu vois le travail de Flore. Flore pensait que j'avais peut-être dit là-bas que c'est moi, hein. Ça, c'est l'heure de la prière. Dans les dos, tu arrives là-bas comme tes mains. Quand tu arrives quelque part, tu ne rentres sans rien. Oh, le téléphone, si. Attendez. Il va être sans charge, sinon ça va s'arrêter. J'ai dit à Samantha que le gars m'a envoyé le message. Je n'ai pas encore répondu. C'est comme ça que je prends la capture d'écran. J'envoie à Flore que tu as vu. Je vais vous montrer. Et vous allez voir sa réponse. Et que comme les gens sont déjà passés là-bas, donc nous, on n'accepte pas. Donc, genre, c'est les gens qui sont venus quand nous sommes partis. Pour qu'on accuse les gens. Elle sait très bien que... Oh. Tout à l'heure, nous a montré les notes ici. Que, oh, voilà une note. Et les écartements. Avec les audios de Flore Denis, là, la pue. Hein, qui dit, non, mais envoie-moi ce qui est long. Le clito qui est long. Il est fait avec. Waouh! Flore Denis a sorti à un grand direct où elle a sorti beaucoup de choses. Hein. On va passer ça tout à l'heure parce qu'il faut walk. Il faut walk. Oui. Ça, c'est quand elle montrait l'endroit où ma copine est partie s'opérer. Il y a une chanteuse là aussi qui est partie faire ça là-bas. Pourquoi ça pente alors que. Il y a presque à côté, Coco. Après, tu déposes les captures d'écran. Oui, après, je vais déposer les captures. Non, elle a fait le waka, mais elle a toujours les impayés. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Elle sait qu'elle cible bien. Maintenant, elle veut fuir. Elle veut fuir combien? Parce qu'elle ne peut pas bien faire son waka là-bas. Les séraphines sont là-bas. Et les séraphines regardent toujours les annonces des nouvelles gars. C'est pour ça qu'elle veut fuir. Qui m'appelle bien? Allô? 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 C'est le client. Ouais, dis au client que nous sommes en prière. Quoi? C'est le client. Elle peut plus faire le waka là-bas. Elle fait seulement dans la nuit.
quand la matière dort. Et c'est toi qui viens dire que je walk devant mes enfants. Toi, tu walk même. Bonjour, appelez Marie. La Marie Pélé. Tu tiens les clients quand la mère est dans la chambre. Tu fermes la chambre. Soit disant, elle ne se réveille pas pour aller pisser dans la nuit. Tu tiens dans la nuit. Flo a beaucoup de pourquoi tu as fait partie d'un message messages vidéo X et propre voice. L'autre là, non, c'est pas toi qui as fait partie. On avait conseillé. On a vu que c'est Coco qui m'a dit que ses soeurs l'ont conseillé. Ses soeurs de la Belgique l'ont conseillé. Annelise, attendez un peu. Elle n'est pas venue garder les personnes. Annelise, tu dis qu'on a vu que c'est Coco qui écrit plus. Ici là, on ne veut même pas savoir qui écrit plus que l'autre. Les deux écrivent. Les deux Binda. Il peut parler là maintenant avec assurance. D'ailleurs, on avait d'abord les anciens trucs des années antérieures. Ça continue seulement. Les photos, les vidéos, Flo a sorti tout ça hier. C'est parce que moi, j'étais pas là, j'étais pas disponible. Je devais faire passer le direct. J'avais prévu faire un direct hier. Son direct était long. On va refaire ça tout à l'heure. Tu vas me clasher. Clash. À 20h, tu vas dire quoi sur moi que tu n'as pas encore dit. Je dirais que 21 n'est même pas prévu pour Coco, non. C'est pour blesser des guerres. En 2019. Mm-hmm. Tu m'as clashé en 2019, non. Je suis morte. Tu m'as traité comment j'avais un seul pantalon. Puisque toi, quand tu as les problèmes avec une personne, la personne n'a rien. Alors que toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Les enfants de les enfants de Baudelaire portent les habits de mes enfants. Tu n'as rien. Toi, tu préfères prendre comme ça chez les gens pour donner, mais toi, tu ne peux pas acheter. Ce sont les fantasmes, non? On va faire comment? Tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter pour tes neveux, mais tu préfères prendre. Ben, tu me fais un fruit. Ben, tu me fais ceci. La femme de Baudelaire, la femme de Romain enceinte. La femme de ceci enceinte. Et c'est toi qui viens m'insulter que j'entasse des habits dans le truc. Tu sais très bien que quand je voyage, je ne rentre jamais sans rien. J'achète toujours. Oui, Sonia I. C'est j'achète ça. Toujours les habits. J'aime quand mes enfants sont propres. Tu as raison. Tu as raison. Tu dis une personne qui a été payée pour venir détruire et charmer une dame. Je le dis, et bon, elle le dit elle-même. Ça, c'est vrai parce que c'est comme ça qu'elle rencontre Flore Deline. Dans le système pimenterie et consort, jalousie et autres, drogue, banga, cigarette, proxénétisme et consort. Peut-être il y avait déjà les problèmes, pas peut-être il y avait déjà les problèmes. Et les adversaires de Flo dans le milieu ont envoyé Coco et tout en mission d'aller faire tel avec Flo faire telle chose pour la détruire, prendre des preuves qu'on sort. Elle est arrivée et elle a Yamo Lago. Elles se sont Yamo, boitage, léchement, ciseaux, position tête basse, tout ça. C'est ce qui nous mène à ce que nous faisons aujourd'hui là. Comme je vous ai dit tantôt dans les années antérieures, j'ai d'abord parlé de 2018, elle vient de rappeler c'était 2019. On avait géré le dossier ici, et avant ça, il y a une année là, tu gérais. Sandy Storm, tu es là, tu connais bien. Et ça, c'est un vieux dossier. Ça ressort toujours après quelques années. Toujours. Donc, comme on gère maintenant là, après, ils vont dire, ça va, on ne parle plus. Dans 2 ans, on va revenir avec les mêmes choses. Hein. C'est pas que les mêmes choses. Il n'y a pas de nouveauté là. Ça lèche. Ça envoie les doigts, ça envoie les gouttes, ça envoie les concombres, les pilons, les bouts de pilons et consorts à l'intérieur. Et ça vient bavarder sur la toile. Nous sommes toujours là. Oha! Continuons. Indique que j'ai l'immeuble. Tu as l'immeuble, tu tiens encore les valises. Une femme qui a les immeubles au Cameroun, elle a en Europe, elle a au moins ces 3 millions de francs CFA qui entrent dans son compte le mois. Les types et les valises, Flo. Ne tire plus les valises. Oui. Tu devais seulement rester laisse comme ça là. Là, tu crées tout ça parce que tes femmes vont te payer le billet pour aller au Qatar. Tu vas faire croire que c'est peut-être le truc Eto qui t'a fait. Je te connais. C'est comment tu fonctionnes. Même avec le manager d'Eto, celui qui t'a appelé pour faire le Congo, ça. Parce que l'opération que tu veux faire, c'est parce que tu veux aller chercher les joueurs là-bas. C'est pour ça. T'expliquer comment ça se passe. Comme tu n'as plus peur de la mort, tu prends tes tailles avec le truc comme le soya. Tu as pris goût. Apparemment, quand tu commences la chirurgie, tu ne t'arrêtes plus parce qu'elle trouve toujours les défauts sur elle. Tu peux t'asseoir sur un banc dur. Patrick. Le banc qui est bien dur, tu peux t'asseoir sur ça. Il faut toujours les coussins, sinon tu vas déformer tes fesses.
Aïe, ah bon? Les gaines jusqu'à tu es serré comme ça, dur au lit. Ah bon? Alors que Patrick, je vais implanter ici, on utilise les doigts, les gaules, les bouts de pilon et concombre. Vraiment. Ok. Oui, Marie-John, il faut donner les petits détails. Ça, il faut dire comment ça se passe là-bas dedans. On a les audios, on a les ceci. Voilà maintenant Coco et tout, on a le téléphone pour donner les instructions, pour calmer. Frampone, parce que tout à l'heure, le mec Flo dit qu'il n'était pas Si tu es excusé. une Hein. femme, Flore, prends un tabouret. Tu fais seulement 30 minutes sur ça si tes fesses ne vont pas se déformer. Hey, les coussins. Prends le tabouret dur. Non, les fesses de la chirurgie là souffrent comme ça. Et pourtant, Florian a toujours eu un bon dombolo. Avant la chirurgie, même Prends le avant. tabouret dur. C'est une Oui, gars qui avait allô? toujours les grosses fesses. Je sais pas ce qu'elle voulait encore ajouter sur ça. Moi, je comprends pas aussi hein, le Ok. côté là. Mais bon, chacun a ses Ok, rôles. j'ai compris. Sandy Storm, c'est un couple toxique. Ok, La j'ai fin sera compris. tragique. Souvenez-vous. À tout à l'heure. Que je l'ai dit, le moment venu. Ah, on espère que ça ne Oui, sera pas tragique comme tu penses il faut là. l'écouter. Mais les deux gens-ci là, ça dit ton temps, mais tu connais ce qui s'est Peut-être que passé c'est elle qui a dans le appelé. passé entre les deux gens-ci. Allô? La violence était grave Oui. physiquement. Oui, mais on ne t'écoute pas, j'ai enlevé le truc. Elles sont toujours ensemble. Péré Marie. Oui, j'ai déjà repris mon rythme de fou et perdu 2 kilos. Oui. Regardez-moi le mensonge. Elle n'a rien perdu comme kilo. Je mets le haut-parleur. Elle est partie chop là-bas jusqu'à remplir le Ça. ventre, boire une Oui. bière. Prendre au moins 20 kilos. Et tu n'as rien perdu, Péré Marie. Laisse ça. Et dis Ok, quoi. je mets le haut-parleur. Ça, c'est Samantha, ma Moi, je copine. voulais. Coco, moi, je suis ta copine. Ça fait plus de 15 ans d'amitié qu'on est copines. Copine du piment. Oui, je t'écoute. Et je sais que, comme je suis venue avant de t'écouter, avant de venir vers toi, j'étais en Suisse. J'ai quitté le Canada. J'ai quitté le Canada et je suis partie à Genève. Et à Genève, j'ai appelé Fleur de Lune parce que je voulais travailler en Genève. Moi, je partais pour moi en Thaïlande et du coup, j'allais compléter l'argent. J'étais à Genève, j'ai Chérie, appelé il ne Fleur de Lune, parle j'ai pas. quitté les réseaux, tout. C'était logé, c'était mes logis, je vais payer. Et Fleur m'a fait attendre à Genève jusqu'à. Elle m'a dit que non et tout et tout et tout. Après, je suis partie à Zurich. En Zurich, je travaillais tout parce que c'est plus facturé. J'ai dit à Fleur de me donner le numéro de Coco. C'est Coco qui m'a appelé en France qui m'a aidé. Donc, c'est Coco qui est ma copine. Elle a fait tout pour que Coco me chasse et tout et tout. On a travaillé à Brive, chez Amer Kamer. Donc, qu'elle arrête de mentir. Donc, je ne vais pas avoir de problème. Moi, je ne suis pas camerounaise, je suis congolaise de la RDC. Et je suis très, très, très connue. Donc, moi, je ne voulais pas rentrer dans le problème parce qu'elle m'a rien fait. Toi, tu m'as rien fait. Donc, elle n'a qu'à régler ce problème. Elle a assumé sa sexualité. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Donc, ce que je veux dire, parce que je sais que les abeilles, elles sont en ligne là où tu parles là. Dis à Flore d'arrêter avec mon nom. S'il te plaît. Samantha, Et c'est un je ne vais nom, pas hein. avoir de problème avec elle. C'est Je ne un la trans. connais pas. Je la connais à Paris parce que c'était ma Il cliente. s'est transformé Elle était mal. ma cliente. Donc, ça fait longtemps depuis que je suis partie au Canada et. On n'a plus de contact. Donc, je n'ai pas de problème avec elle. Je n'ai pas de problème. Là où je suis, c'est Coco qui m'a hébergé parce que c'est pas ce que je veux faire. On connaît les Tu bons peux amis. rester chez moi même 100 ans, Tu Samantha. vois, Que Flo Coco? lui Tu peux était sa rester 100 cliente. ans chez moi. J'ai ma clé. Je suis à l'aise. Je suis une femme. Comment tu fais que Coco? Comment aller Waouh. laver les assiettes si c'est sale? Parce que la maison, c'est pour les femmes. Je suis obligée de laver les assiettes. Je suis Non, obligée elle de s'est dit laver que les je assiettes. te... Je Non, suis elle obligée s'est de dit que tu faire la travailles cuisine. pour Est-ce que moi. c'est un problème?
Elle est choquée. Tu te rappelles qu'elle a tout fait. Donc, elle, même si je vis chez elle, je vais travailler parce que je suis une femme. Je ne peux pas me réveiller. On me donne la chambre. Coco m'a donné sa chambre. Moi, je dors dans la chambre de Coco. Coco dort au salon et me donne la chambre. Qui veut faire ça? Je te dis, moi, je dors au salon chez moi. Et ma copine dort dans ma chambre. Je vis un mois à Brice, je vis 2 mois dans la maison de Coco. Vous savez que je dois à l'hôtel que j'allais payer. Précise le cas, Samantha. Les 2 mois là, l'annonce c'est. La méchanceté. Elle connaît ce qu'elle t'a dit pour moi. Moi je suis. Elle ne connaît pas ma maison. Si elle veut connaître ma vie, je suis connue dans le milieu congolais. Elle connaît très bien. Je ne vais pas avoir de problème. Moi, ma copine, c'est beaucoup parce qu'elle connaît les bons amis. Elle n'est plus ma copine parce qu'elle sait ce qu'elle a parlé du temps pour voir à côté de moi. Donc, devant ses abeilles, parce qu'ils sont là en train de commenter, je suis en ligne. Ils sont en train de commenter. Ça passe quand tu dois partir. Dis à leur patron que moi, je n'ai pas de problème avec elle. Qu'elle arrête de mon nom. Parce que j'ai son numéro, sinon je vais l'appeler. Moi, j'ai tous les réseaux, mais je n'aime pas parler sur les réseaux, surtout parce que je suis une femme très discrète. J'aime pas tu es une femme discrète. Tu es une femme discrète, je sais. Je suis à la maison. Les enfants sont à l'anniversaire. Tout s'est bien passé. Merci. Je te fais des gros bisous. Allô, Samantha? Allô? Allô, Samantha? Samantha est partie. Ça, c'est ma copine Samantha. C'est ma copine Samantha qu'elle est en train de... Elle est en train de clasher maintenant. La vidéo qu'elle vous a montrée là, que c'est moi qui l'avais envoyée, que c'est moi qui filmais Samantha, c'est faux. C'est Samantha qui filme les enfants, Samantha m'envoie. Et elle, Flan, elle veut prendre les nouvelles parce qu'elle est montrée qu'elle est une maman, elle doit prendre les nouvelles chaque jour, elle doit appeler, tu as fait comment et tout et tout. Le côté là, je sais qu'elle aime les Mouna. Aujourd'hui, elle vient insulter mes Mouna. C'est Samantha, je renvoie la vidéo pour rassurer Flan que non. Samantha m'a envoyé la photo, la vidéo. Les enfants sont là. Samantha m'envoie les photos chaque fois. Même quand Samantha lave l'enfant, Samantha m'envoie la photo. Même quand Samantha fait quelque chose, Samantha m'envoie, ça me rassure. Maintenant, pour elle, c'est que Samantha doit partir. Elle a refusé de retourner à Brive parce que Samantha était là. Elle me dit que Samantha doit nous... qu'est-ce qu'elle avait même... Attends, c'était pas écrit, je vais regarder. Elle dit que Samantha ne doit plus marcher avec nous. Alors que nous, on dormait chez Samantha. Hein? À Paris, on dormait chez Samantha. Si. Le monde est méchant. Voilà ma copine qui a clash. Linga, vendre le piment même jusqu'en Thaïlande. Voilà Thaïlande. Samantha a parlé de Thaïlande, Canada, la Suisse au Paris. Quand on arrivait à Paris, on dormait chez Samantha. Même elle, quand elle arrive comme ça, qu'elle n'a pas l'argent pour payer l'hôtel, c'est chez Samantha qu'elle dormait. Samantha vit maintenant au Canada. Il est là pour ses affaires, ici chez moi. Pour elle, dès que même si je fais l'annonce à Samantha, Samantha doit me payer. J'ai dit que non. Rappelle-toi que quand on arrivait sur Paris, Samantha dit que Flo était sa cliente. On dormait que chez pas ça. Pourquoi on va prendre l'argent? Je vais prendre l'argent. Si déjà il peut se chercher, il se cherche. Moi, j'ai fait 2 ouais à Samantha. Samantha a fait 1 mois, 2 semaines chez Amer Kamer. Moi, j'étais rentrée. Parce que moi, quand je viens, je fais une semaine. Si c'est les vacances, je peux faire 2 semaines. Je rentre. Samantha est restée chez Amer Kamer. Voilà Samantha qui confirme. Flo était avec. Elle était chez Amer Kamer. Le deuxième tour, elle a refusé parce qu'il fallait que je chasse Samantha. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Tout pour elle, rien pour les autres. Elle peut bien venir chercher son argent, mais elle ne veut pas voir une autre personne marcher avec moi. Elle veut toujours me séparer des gens. Elle veut me séparer des gens. Si Samantha m'envoie la photo, je te transfère. Ça veut dire que c'est moi qui filmais Samantha. C'est pas moi qui filmais Samantha. C'est elle qui m'envoie sa photo. Et tu sais bien que c'est elle qui m'a envoyé, mais tu veux montrer aux gens que c'est moi qui filme même Samantha. C'est moi qui filme Samantha pour t'envoyer. Non. Tu es forte, Kualia. Samantha, c'est un garçon qui s'est transformé. Tu es forte. Il est devenu comme une femme. Il parle comme une femme. Il fait comme un gars. Je t'appelle Kualia, j'oublie, je tape même Kualia sur le truc. Facebook. C'est ça. Les fesses du bouc. Tu dois marcher seul. Tu me vois avec une personne. Mais je ne veux pas la compagnie là. Tu me vois avec une personne. Tu dis que je te fallais le Congo, ça sous le nom de Nadège Mbappa. Que tu savais que j'étais en contact avec elle. Toi-même, tu dis que si je savais que tu étais en contact avec cette fille Coco, si je savais que tu ne savais pas, donc tu allais parler de Nadège Kang.
Je t'ai pas, même dans mon téléphone, le nom de Nadège, je ne s'écrivais pas Nadège. C'est maintenant que je suis seule là maintenant que le nom, Dieu a modifié le nom de tout le monde. Nadège s'appelait Aïchetou chez moi. Aïchetou. Maman. Des fois, Nadège m'appelait, j'étais avec elle. Elle prend un médon, elle se dit que c'est une soeur Bamou. Nadège parle un peu le Bamou. Nadège dit, mon nom, pour nerf, ça amène. Moi, je jongle maintenant. Je dis, pour Kéry, que t'entends. Pour Kéry, je quitte devant Flore. Je ne pas maintenant dire à Nadège que je te rappelle. Flore, et là, je ne peux pas parler. Et Nadège entendait la voix de Flore. Hein? Nadège, je ne vais pas dire qu'elle ne vend pas le piment. Hein. C'est comment? Maintenant, fais comme si. Parce que tu veux me cogner la tête avec Samantha. Parce que Samantha reste à la maison. Là. Samantha m'aide. Moi, j'ai laissé ma chambre. J'ai laissé ma chambre à ma copine. Je dors au salon chez moi. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas parce que je ne peux pas lever les enfants dans les chambres. Mes enfants sont dans les chambres. Moi, je préfère dormir au salon. Et Samantha dort dans ma chambre. Oui. Tu sais très bien que quand on partait chez Samantha, Samantha dormait au salon. Nous, on dormait dans la chambre. Un jour, on est même arrivé chez Samantha. Son gars devait dormir là-bas. Elle a jonglé. Le monsieur là est parti parce que nous, on était chez lui. Il faisait ça pourquoi? C'est parce qu'il voyait qu'on était ses amis. Il ne peut pas faire. Le monsieur venait dormir. Mais quand nous on arrive là-bas, le monsieur arrive, il a tout fait, elle a tout fait, le monsieur est parti. Samantha a tout fait, le monsieur est parti, parce que le monsieur ne pouvait pas dormir avec nous. Flore et moi, on a passé la nuit dans la chambre, Samantha a été au salon. Pourquoi moi-même je ne vais pas aussi l'aider? Pourquoi je ne vais pas l'aider? Si je peux aider, j'aide. Moi-même, moi aussi aider. Toi, on t'a aidé. Comment tu te retrouves à Lille? N'est-ce pas que tu avais pour. Tu devais aller qu'en Allemagne. Le monsieur Bangwa qui sortait avec toi au Cameroun. Anna, sa soeur, quand tu arrives ici là, est-ce que la dame, là, tu appelais la dame de téléphone? Elle prenait encore le téléphone. La dame ne prenait pas le téléphone. Quand on allait à Francfort chez Guy Park, tu as vu les enfants de la dame là. Tu m'as dit que voilà les enfants de la dame chez qui je devais habiter. J'ai appelé fatiguée, c'est comme ça que je me retrouve. La dame qui est venue prendre le passeport chez toi a dit qu'elle ne pouvait pas te laisser à l'aéroport, on pouvait te faire rentrer. C'est comme ça que tu te retrouves à Lille. Tu m'as montré les enfants de la dame là, où c'était Anna. Tu m'as montré les enfants de la dame. Là, j'achève à te quitter. Là où tu étais, là, il n'y avait pas les gars. Si tu peux aider, aide. Et qui? Si tu peux aider, aide, Flore. Samantha, que tu veux que je chasse maintenant? On avait le projet d'aller walk à Island, où Samantha vit. Samantha a dit que ça wak là-bas. Lui, comme c'est il avait un wak là-bas, il ne peut pas faire ça là-bas. C'est pour ça que lui voyage pour venir faire ça en France. Il nous a expliqué comment ça se passe là-bas. Après l'opération, si, et ton truc, puisque Samantha part en Thaïlande la semaine prochaine, on devait aller là-bas chez Samantha pointer. Maintenant, tu reviens, maintenant, tu viens clasher une personne qui nous a aidés. Même la clinique où tu es parti là. C'est pas Samantha qui nous donne l'adresse. Tu es méchante. Tu viens dire, c'est moi la victime, c'est moi qui a zézé. Elle a dit qu'elle est Flore. Toi et moi, non. Plus jamais. Quand je reste encore, je regarde tout ce qu'on a fait. On a fait ensemble, on a mis aux gens, on a fait ceci, on est en train de commenter, on est en train de faire ceci, on fait des choses, on publie. Hey, Seigneur, pardonne-moi. Je vais faire un direct. Dès que je rentre chez moi, je vais faire un direct, je demande pardon. Je mets la caméra, je demande pardon aux gens. Mais si tu as... Attendez un peu, ouais, s'il vous plaît, une minute. Coco, toi, hein. Oh! Coco et Flore de Lille, parce que ça, c'est pas une affaire de Coco seule. Chacune vient dire sa part. Vous deux, vous dites, il y a beaucoup de vérité dans ce que vous dites. Ça, ce n'est pas une discussion. Mais il y a aussi beaucoup de mensonges. Parce que quand vous parlez, vous montrez quand même les peu. Le truc dans l'affaire, c'est quoi? Les filles ont une manière de gérer les dossiers. C'est-à-dire, elle est capable de venir dire quelque chose en montrant des preuves. Mais l'interprétation qui suit, c'est ça qui devient le mensonge. Elle te montre, par exemple, quelqu'un a écrit, tu es où? Voilà une simple phrase qu'elle peut te montrer dans son téléphone. Et elle interprète maintenant en disant, quand elle a dit tu es où si, c'est parce que j'étais sur terre, je vendais le piment et elle venait vendre avec moi. Et pourtant, peut-être ça n'a aucun rapport, c'est faux. Hein? Voilà comment les deux procèdent en fait. Les deux. Chacun dit ce qui va l'arranger. Eh ouais.
On dirait que si je ne te demande pas pardon. Je te demande pardon que tu es qui? C'est toi qui me mets là. C'est que comme Samantha est arrivée, parce que quand Samantha arrive, elle se fâche que j'avais dit que Samantha venait pour une semaine. Elle dit que Samantha est encore là-bas. Elle ne vient pas à la maison si Samantha est là. Donc moi, je vais écarter tout le monde. Moi, je n'ai plus aussi le droit. Je n'ai pas le droit d'avoir d'amis. Je n'ai pas le droit d'avoir d'amis. Parce que je suis avec Walia. Je n'ai plus le droit d'avoir un ami comme ça, que l'ami vient rester avec moi. Samantha, si Samantha veut, Samantha fait 100 ans chez moi. La preuve, je ne suis pas là. C'est Samantha qui garde mes enfants. C'est Samantha qui garde mes enfants. Tu es méchante. Tu es méchante. Quand je pense à ce que tu disais, que si on voyage, la mère peut venir rester à la maison comme Samantha est là. Pour que Samantha reste avec la mère. Tu sais que Samantha cuisine très bien. Elle s'occupe bien des enfants. Je t'ai dit que oui, Samantha ne complique pas. Si on parle à Samantha, Samantha va accepter. Aujourd'hui, tu viens dire que le traversier là, c'est si. Lui, il assume au moins. Il assume. Si tu tapes le nom de Samantha, tu vas trouver Samantha dans son truc. Son histoire, c'est une femme. Samantha assume son orientation sexuelle. Samantha n'est pas comme toi que devant les gens, tu fais comme ça là. Mais dans la chambre, tu es le petit caniche. Tu bouffes jusqu'à le petit caniche quand tu es dans la chambre. Mais devant les gens, je ne peux pas assumer. Aujourd'hui, tu dis que tu assumes. Aujourd'hui, tu dis que tu n'assumes pas. Aujourd'hui, tu dis que tu assumes. Aujourd'hui, oh, le père de mes enfants, je suis le père de tes enfants. Je suis ceci. Ma fille a un papa. Le père de ma fille s'appelle Dalmoulin Dufoy. Elle a un papa. Je n'ai pas fait le mot parentalité avec toi. Oui, je n'ai pas fait le mot parentalité avec toi. Si je veux bien t'humilier, je vais sortir l'enregistrement où tu me parlais par rapport au don pour toi. Tu voulais que je parle avec lui. J'ai réfléchi que non, je ne vais pas partager les biens de mon enfant avec toi. Rappelle-toi très bien. Tu vas me pousser à sortir ça et c'est tes détracteurs qui vont poster ça. Tes détracteurs vont poster sa flore. Tu as dit que si je passe encore chez... Je vais passer chez la reine Mère Bio, parler là-bas. Je vais passer chez elle, parler. C'est ça le site-ci que je montre aux gens. Tu connaissais bien le site-là. La fille qui était chez toi, là, qui est venue garder ta mère, pourquoi tu n'as pas montré le site-là? Quand je t'ai dit que, mais, pourquoi tu ne montres pas le site-là à l'autre? Tu dis que, mais, quand on aide les gens et quand ils réussissent, les gens t'abandonnent. Toi, tu es toujours comme ça. Tu penses toujours à ce que la personne va te faire. Parce que tu vis avec une personne, tu prépares déjà le mal. Tu vis avec une personne, tu prépares déjà le mal, Flore. La fille a fait combien de temps chez toi? Je t'ai dit, ben, il faut inscrire la fille là. Toi-même, tu es dans le site là. Oui. Tu as seulement le Mbutu. Depuis que tu es dans le site là, tu as trouvé. Tu n'as pas encore trouvé. Donne-moi le site. Tu n'as pas encore trouvé. Tu es dans le site là. Tu as peur de mettre à confiance. Tu mets qu'à Lille. Tu mets ton profil qu'à Lille, comme si tu vivais à Lille. Comme c'est proche, tu peux facilement aller à Lille. Les hommes l'ont tapé, parce que comme moi je suis une femme, je ne peux pas voir l'annonce d'une femme. Tapez la corps parentalité. Corps parentaliste à Lille. Vous allez voir Foucault là-bas. Elle-même cherche avec la torche. Elle cherche avec la torche. Quand elle a souvent, quand je suis souvent avec elle, comme elle n'a pas le temps, elle est toujours au téléphone, elle fait ses directs. Des fois, je prends, je commence à répondre aux messages. Je prends, je réponds aux messages. Je l'aide à répondre aux messages. Toi-même, tu es dans le site là. La fille qui est venue t'aider, si tu voulais bien retenir la fille là, tu pouvais l'inscrire dans le site là. Tu sais qu'elle est là-bas, elle cherche un ouate aux alentours, un noir aux alentours. Elle est là, elle garde la mère. Tu profites. Tu pas tirer tes valises. Mais comme toi, tu ne veux pas aider parce que quand elle va voir les kaolo, demain, c'est toi qu'elle va insulter. Tu vis avec une personne, tu prépares déjà ce que la personne va te faire demain. Oui. Après, tu vas venir dire que je suis née en 69, en 79. Que tu es née en 79, Flore. Ton ancien passeport, tu es née en quelle année? Parce que tu veux toujours être petite fille. La dernière fois, tu es partie en Turquie, tu as tiré le visage jusqu'à ce que tu rentres ici. Là, tu mettais que les lunettes. Parce qu'on t'avait opéré les trucs ici. Tu tires à Après, tu t'assois, tu m'insultes. Ça glisse sur moi maintenant comme le gombo. Arrête d'appeler mes gens. Et j'ai déjà dit, vous voyez, si on lui donnait la tontine, elle n'allait pas tontiner. Non, moi, si elle n'a pas tontiné, parce que j'ai des problèmes avec elle, imaginez alors que si on lui donnait la tontine, elle allait encore finir l'argent des gens. Elle n'allait pas finir. Et moi, je devais rester, continuer. Dès qu'on finit en masse, on sort ton argent que tu as tontiné et je retire l'argent dans l'Est dedans. Je donne à l'Est. Je vais même donner avant. Comme ça, quand je retire l'argent d'Alès, je mets une fois dans ma poche.
et renvoie la tablette de Kadé. Renvoie la tablette de Kadé. Il a dit que c'était pour sa petite, c'était pour sa fille. Ce n'était jamais ta tablette. Élève pour dire, oh, elle filme les gens, elle enregistre les gens, elle fait ceci, elle fait poster, elle m'envoie ceci, elle fait ceci, comme si j'étais folle. Tu veux montrer aux gens que plus que toi dans ta tête, c'est qu'on récupère mes enfants. Tu n'as pas le cœur. Jusqu'à tu dis même dans ton direct que les enfants vont aller à la DAS. Les enfants vont aller à la DAS. On doit placer mes enfants. Pour des gens qui veulent se coiffer dans ma ville, venez voir Samantha. Voilà ce que Samantha fait. Samantha coiffe très bien. Parce que là, présentement, Samantha ne voyage pas. Samantha ne voyage pas. Ça, c'est ma grande sœur qu'elle a coiffée. Samantha est à la maison maintenant. Elle ne voyage pas. Donc, si vous voulez vous coiffer, venez voir Samantha, les gens qui sont à Angers. Ça, c'est ma grande sœur. Samantha allait coiffer quand? C'était même quelle date? Elle est venue me faire ça. Donc, si vous voulez vous coiffer, venez chez Samantha. Si l'ancien passeport, elle est née en 72. Si son ancien passeport, elle est née en 72. Voilà ça. Si Samantha m'envoie les photos de l'enfant comme ça. Parce que ma fille part à l'église. Hein. Son père vient souvent chercher sa fille pour aller à l'église avec sa fille. Si Samantha m'envoie les photos comme ça et qu'elle me demande les photos de l'enfant, je l'envoie. Ça veut dire que c'est moi qui filme et je l'envoie. Chaque fois quand Samantha fait quelque chose à l'enfant, Samantha filme, Samantha m'envoie. Ça me rassure quand je ne suis pas là. Je laisse mes enfants avec ça. Samantha reste avec mes enfants, je ne... Même quand Samantha achète quelque chose à l'enfant, quand le lait de l'enfant finit et qu'il peut acheter, il m'envoie toujours. Et ça, c'est moi qui filme. Voilà, les photos. Tu viens me poster mes enfants. Désolé pour le bruit, c'est pas possible ça. Samantha, si le boy s'est devenu vrai comme une gare. Ça, c'est le genre de boy, je vois en haut de les piéger alors qu'il a un bangzizi en bas, mon frère. C'est même quoi ça? Voilà. Pardon. Ceux qui m'écoutent, si vous piégez un jour en route et que vous avez un bangzizi en bas, vous êtes seulement transformé. Il faut me dire. Je n'ai pas de quoi avec vous. Et puis, je vous dis que non, l'autre là ne m'intéresse pas. Et on quitte dessus. On quitte derrière. Parce qu'il n'y a pas où je vais chouquer. Moi, je ne chouque pas là autour. Non. Samantha qui m'envoie. C'est quand elle regarde ces trucs. Je lève beaucoup de que Samantha est trop belle. C'est une belle fille. C'est un beau gars. C'est une belle fille. C'est quand Samantha sort avec l'enfant. Elle va vous montrer ça comme si c'est moi. Oui, maman. Non, ça, tu laisses ça. On a déjà acheté. On a acheté déjà du jour. Non, on ne voit pas. Ok? Tu viens me parler. Je suis là comme ça, là. Elle a fait, j'ai prêté l'argent chez une fille guinéenne. Elle n'a jamais remis l'argent là. Écoutez, si Samantha n'était pas une maman, quand je voyage comme ça là, Samantha prend carrément le berceau de mon enfant, elle met dans la chambre, hein, parce que la chambre de ma fille est... Ma chambre est à côté de la porte. Mmh. Samantha prend carrément le berceau de l'enfant. Samantha vient mettre le berceau de l'enfant dans la chambre, comme ça si l'enfant se réveille. Comme ça si l'enfant se réveille. Elle prend vite l'enfant. Voilà ça. Samantha a lavé l'enfant ici, là. Elle a montré, pour montrer que c'est moi qui fumais. Mais mon fils, voilà mon fils. Samantha m'envoie toujours les photos des enfants. C'est une maman adorable. Maman, un gars adorable, c'est ça. Hé, toi, Chantal, viens. Tu veux quoi? Qui veut aider, là? Quand je ne suis pas là,
Samantha prend le lit de l'enfant là. Il l'amène ça dans ma chambre. Je connais ici, hein. Attends. Hein? Attends, ne fais pas des bêtises, ok? Mm-hmm. Ok, maman? Mm-hmm. Ok. La fenêtre, toi là qui ouvre là-bas, personne ouvre la fenêtre ici. Ah oui. Bonjour. Hein? Ouais. Bébé, ouais. Alors ça. Samantha s'occupe des enfants. Elle avait dit, voici la chambre de l'enfant où elle dit que je reçois. Je peux. La chambre de ma fille a seulement le lit de ma fille. Ça, c'est seulement le lit de ma fille. Comment le client va entrer dans la chambre de ma fille? Ok, maman. Ok. La fenêtre, toi là qui ouvre là-bas, personne ouvre la fenêtre. Ah oui. Bonjour. Hein? Ouais. Bébé, ouais. Voilà ça. Si je l'envoie, ça va être... Ça, c'est quand elle voulait se rassurer si j'ai fait le fuit. J'ai dit à Samantha de fumer les fuits qui étaient dehors. Voilà le fuit qui était au balcon du derrière, là. Voilà les fuites que je fais pour envoyer. Oh, qui m'appelle? Voilà ça. Samantha, filme. Tu vas venir m'insulter pour les enfants. Tu peux t'occuper des enfants comme moi, Flore. Samantha, filme. Ça, c'est le truc du derrière. Le balcon du derrière, là-bas, chez moi. Samantha filme, Samantha m'envoie parce qu'elle voulait se rassurer. Voilà son fruit que j'avais déjà emballé. Le fruit, c'est qu'il y a le truc, c'est pour ses neveux. Hein. Parce que j'ai d'abord emballé que ça part parce qu'elle devait parler avec les gens de Foufou. Attends, je vais vous faire écouter s'il y a des, si c'est des voix par rapport au Fritokam. Elle dit que B, tu vas donner le fruit là à mes neveux. J'ai dit que oui, j'avais déjà accepté. J'ai dit que j'avais déjà accepté, je vais donner. J'ai trié les habits de ma fille, j'ai mis dedans. Hein? Aujourd'hui, tu viens publier les enfants. Jusqu'à tu publies même la petite fille de Nadège, je ne vais pas pour me cogner la tête avec elle. Et tu ne montres pas la date. Tu ne montres pas. Allô? Oui, mon gars. Oh, mon cœur, mon mignon, mon bon, ton doux, ma. Oui. Alors, ah, il est direct. Je ne sais pas quelques voix ou opinions, mais je ne sais pas si je suis en train de faire des enregistrements de mon Tanadé. Je ne cherche ni mes chimies à calmer mon Tanadé. Je ne cherche ni mes chimies à calmer mon Tanadé. Je ne cherche ni mes chimies avec moi demain, aujourd'hui, après demain. Et je ne cherche pas mes chimies pour moi, mon Tanadé. Et vous m'aimez bien. Ah, Mélanie. Ah, Mélanie, ma bonne bière. Mais ma bonne salle, les compresseurs. Mais ma bonne bière, les Nadège, un salle, les compresseurs. Si Nadège, un peu, il va m'y. Si Nadège, un peu, il va m'y aller en contact avec le compresseur. Mais il est né, pièce ça. Bon, mais il s'en moue, mon ami, tiens, il y a eu. Bon, Nadège, je dis, les compresseurs, mais il n'y a pas de il y a. Ah, il y a un tacoum, tu n'as pas de tacoum, tu n'as pas. Hein? Voilà. Moi, je vais vous dire un peu. Fait tout, moi, je vais vous dire mon compresseur. Je vais vous dire un peu. 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 Nga te shike nga na kuma gamba mi mburi wa yiri na mana na bana mjui mono pini shike na.
Mon gars, a fait mes paiements. Oui, vous qu'elle vient de manière. Il y a des marques de biches excuses ni votre Facebook. Pour rien au monde. Allah, t'as dit des biches excuses ni flotte Facebook. Après, qu'il s'en encore monde ou pas, ancien. Allah, a fait mes biches excuses ni fille. Il Bembe, comment on gagne, croyez-vous? T'en as dormi, quoi? T'en as dormi, quoi? Oui, mon gars. Tu fais, tu. Non, tu vois ça. Ah, ok. Tu vois ça, ok, mal au journal. Je suis à l'école, comment on dit? Ah, maman, j'ai j'ai. Ok. Ça va de nouveau. Mais j'ai toi qui envoie les têtes de mort, je te bloque. Ne discute pas. Patrick, je vais te dire que. Elle dit que Ngoé est là. Si vous aimez trop Kualia, allez l'aider à payer le loyer. Voilà. Même si on dit qu'on va le payer. Non, c'est pas elle, je n'étais pas en ligne avec elle. Et on ne paye pas le loyer. C'est pas. L'argent ne sait pas. C'est ouais. Pas mon gars Guilain. Je n'étais pas en ligne avec mon gars Guilain. Il y a les soeurs qui m'appellent, non. Je n'étais pas en ligne avec elle. Continue à appeler les gens. Flo, continue à appeler. Autour, sinon, nous allons tous se salir. Déjà, même, j'étais déjà sale. Tu inventes les choses que c'est Nikon Kétia. Je ne connais même pas Nikon Kétia. Je connais que Nikon Kétia, c'est qui? Qui m'a monté? C'est quel coup monté avec les Lolo? Moi, je parle avec Lolo. Nikon Kétia, elle a Stam Rakata. Le Toussi, son nom sort dans les dossiers. Par rapport à la fin, si tu as pris les voix, tu as envoyé dehors. Tu me dis que tu as transféré ça. Tu n'avais pas écouté alors que tu avais bien écouté. Tu avais bien écouté ça. Parce que quand tu viens dire que, oui, on a commencé. Tu as changé de téléphone combien de fois? Puisque toi, tu montres que la conversation de 2022. Puisque tu n'as même pas de honte de dire que, voilà ça. Ça, c'est une personne comme ça, là. C'est moi qui appelle ces gens. Hein. C'est moi qui appelle pour le loyer, pour sa maison. Elle dit que oui, mais prends la photo. Tu les laisses ton numéro. Donc, c'est mon numéro que je dois laisser pour son loyer. Hein. Je dois prendre, parce que là, quand je parle. Trouver l'autre dans le 95, il n'y a pas la photo. La personne n'a pas mis la photo. Je l'ai créé. Je prends les photos. Quand tu cliques sur le lien ici, tu l'écris, Marie, tu prends les photos, tu laisses ton numéro, il va te rappeler. Elle me dit que voilà le message que je copie pour l'envoyer. J'écris pour l'envoyer. Puisque elle devait continuer à chercher. J'écris, j'envoie. Voilà ça. Quand j'ai envoyé le message, si vous voyez bien où on dit que j'ai envoyé. Parce qu'elle avait déjà fui combien. Elle a 8 mois de loyer. Attends, je vais vous montrer. C'est parce qu'elle est sage. Des choses comme ça, là, elle appelle vite sur WhatsApp. Elle ne laisse pas trop. Elle dit que non. Qu'est-ce que j'ai même dit avant que le nom de Doudou Ngamba est sorti même? Elle dit que Doudou Ngamba vit à... J'avais même dit quoi avant qu'elle a dit ça?
Elle veut dans le 95. Elle veut se rapprocher. Elle s'est dit que c'est quand elle va arriver là-bas que ça serait facile que Marie-Thérèse va bon. Ah, les photos des bobitana. Les écartements dans le téléphone, Sokoto. Je ne pense pas que Amout peut encore accepter. T'as parce que tu as mes dit. C'est encore moi qui te disais les injures sur Amout. Tu vas encore dire que c'est moi. Hein? Tu vas encore dire que c'est moi qui t'ai envoyé insulter, Flore. Je suis dépassée sûrement, c'était là mon beau-père. C'est même quoi ici là? Voilà, ça c'est quand Stella Mogo disait que voilà, je vais vous montrer où je suis passée. Elle a dit que purée, où je suis passée chez Lolo et. Oui, je. Non, c'est pas ça ici là. Elle me dit ceci. Voilà ça. Et puisqu'elle dit que c'est moi, voilà la chatte. C'est elle qui m'envoie les trucs comme ça là. Cameroun, la fille, j'ai pas. Vous savez, quand tu prends trop. Les bobitana, les écartements. Quand tu prends trop le ndapafu, le sommeil ne vient pas. Massa. Les quatre comme ça, quand elle veut se branler. Je vais vous décrire la, les scènes que je vois ici dans le téléphone. On envoie ça après ton direct. Okay. De... Bon. Voilà, ça c'est. Aïe, aïe, aïe. Ma, tu refuses l'appel, pourquoi? Bonsoir. Ah, ça, c'est quand elle a... La fille qui était chez elle. La fille qui était chez elle, qu'elle avait fait voyager. J'étais étonnée que... Il met les lunettes, parce qu'il y a un écartement là qui est en je direct. Je préviens déjà, Flore, que voilà déjà les gens qui racontent que tu as fait voyager. Actuellement, là, ce sont les bobies qu'elle nous montre. Les lunettes de ça et... Elle va dire que j'ai fait ça pour le Congo. Alors que je voulais lui dire clito. Que si je dois mettre les seins, je mets que comme ça. Voilà. Fais-tu va te bloquer, maman. Enlève un peu. Gros, parce qu'elle me veut, elle veut me voir avec les gros ballons. Elle est là, même son dos, elle a mal au dos. Le bout des seins n'est plus sensible. Ouais. Tu as accroché le bout des seins. Sur le bout des seins. Maintenant, ce n'est plus sensible. Il faut changer. Si je dis ça, que c'est comme ça, là, elle vient montrer alors tout sur... Elle vient montrer sur... Ok. Je dirais se couper. Regarde-moi celle-ci. Elle a fui. Ok. Comment le direct se coupe comme ça? Suitement. Donc, elle est en train de, elle est en train de parler. Elle est en train de parler. Le téléphone était là. Il manquait les messages et tout. Et qu'elle est en train de... Je vais dire comment? De naviguer, non? En train de faire monter, descendre les messages. Il y a les images alors, hein? Elle cache certaines images des filles. Adiari Wama. Quel écartement? Un pied là-bas, à l'est, l'autre à l'ouest. Écartement, doigts sont dedans. Et les concombres, les bobies, tanap. Il n'y a pas quoi que je vienne voir là. Il fallait que je porte des lunettes. Pour bien voir ce qui se passe. Son direct se couper. Subitement, hein. Oh. Ah, peut-être que Facebook a bloqué, hein. Aha, puisque j'ai bien dit, elle était en train de montrer, elle calait sur l'image, il y avait une image, elle est calée dessus. C'était les bobitana bien bombés là, bien appuyés, genre. Peut-être Facebook a coupé à cause de ça. Sûrement Facebook a bloqué à cause de ça, je vous dis la vérité. Parce que là, le direct est parti. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'elle va relancer? On ne sait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. On perd un léger temps avant de voir est-ce qu'elle va relancer ou pas. Pour qu'on continue une fois, ça sert à rien de relancer un autre truc et tout et tout. Alors, un autre direct. Si moi je relance un autre direct, là, ça va être celui de Flore de Lille d'hier. Parce qu'elle répond comme ça à un direct de Flore de Lille d'hier où Flore de Lille a sorti beaucoup de choses. Je n'ai pas téléchargé cette vidéo pour vous la mettre parce que vous voyez un peu, c'est un peu le genre de vidéo aussi. Je pleure déjà certains youtubeurs qui vont aller porter sans vérifier. Ils vont courir avec YouTube. Il y a trop l'antop dedans. Trop en image. C'est pour ça que la vidéo de Flore de Lille aussi, je vais faire pareil. Je ne peux pas montrer. Quand elle est en train de naviguer dans son téléphone là, il y a trop d'antop. Moi, je m'étais posé, calé un peu là pour bien voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a le désordre? Je regarde un peu les choses comme ça. C'était pour venir planter le décor. Hein. Il ne faut pas penser que c'était pour autre chose. Parce que je vois déjà Marie John derrière moi, là, sous mon dos.
Je sais pas ce qu'elle cherche sur mon dos. Descends-toi de mon dos. Ah, Coco, tu lances encore le direct ou pas? Ah, je sais même pas ce qu'il doit faire là maintenant. Hein. C'est ce qui est du camion. Développer les sujets. Vous êtes le téléphone allumé pour la vie des gens, les problèmes des gens. Développe un sujet, même si tu as 5 personnes, c'est parce que vous ne pouvez pas. You can do it. Moi, je te vois là, c'est un exercice d'ingratitude, de sorcellerie, de vampirisme que tu es en train de pratiquer. Là. Une femme, tu étais dans ces directs. Prends-moi, prends-moi. Comme moi-même, tu disais, prends-moi, prends-moi. J'étais pris dans plus de 100 directs. Plus de 100 directs. Il parle de Rose 237. Du camion. Quand on te prend trop dans les lives de quelqu'un, on participe à ton nom. Ce n'est pas que tu es une experte dans un sujet. Dorcas, je suis avec elle. Elle est vraie. Elle est vraie. Voilà. Dans le moment venu, je vais mettre ma veste, je vais me connecter pour la défendre. Et sauf que le truc que je lui reproche, c'est simplement que lorsqu'elle a eu ses amitiés avec les gens, il fallait qu'elle soit franche. Voilà. Il fallait qu'elle soit franche. Il ne faut pas attendre quand tu as les problèmes pour venir dire. Camille, toi aussi, tu parles à tous les sens. Dorcas, c'est vrai comment? Pourquoi il dit que Dorcas, c'est vrai? Les nouvelles petits aboyés qui se cherchent. Tu es en train d'attaquer la Lyon, tu es en train d'attaquer Nicole Kitcha. Il dit que Dorcas, c'est vrai tout simplement parce que actuellement il a les pouvoirs avec Lolo Fondja. Et que Dorcas a les pouvoirs avec Lolo Fondja, ça devient que Dorcas, c'est vrai. Je suis pas en train de dire si elle est vraie ou faux, hein, selon Ducamé. Il lui a toujours reproché ça, que c'est ça un problème. Toi, tu n'arrives pas à être stable. Il lui a dit ça même en privé. Toi, tu prends toujours un côté en fonction de ce qui t'arrange. Dorcas peut même être vrai là maintenant. Mais par rapport à Ducamé, lui ne dit pas ça parce qu'elle est vraiment vraie. Vous allez m'excuser pour ça, mais il faut que je le dise ainsi. Il le dit parce que elle est juste en clash avec une personne avec qui ça ne donne plus maintenant, Lolo Fondja. Qu'il a aussi un peu nettoyé hier dans l'un de ses directs qu'elle a supprimé. Oui. C'est pour ça que maintenant, lui, il supporte Dorcas. Alors que Dorcas, comme il a dit tantôt, elle faisait comme la Rose 237 qui venait dans ses directs. Facebook, hein. Il va arrêter ça. Il va arrêter au Japon. Dans mon Japon, le mensonge, j'ai même étonné. Tu bloquais pour bien kiffer les images d'un tot. Télé-Marie, donc tu es sur moi aussi. C'était pour vous expliquer. Quand je regarde le tot que Coco Coco est en train de montrer là, il va planter le décor comment? Il va falloir que je vous dise que oui, il y a une photo qu'elle a montrée, l'écartement était comme ça, une lèvre était noire ou bien l'autre était rose et tout. Je vais vous expliquer. Si l'angle a mis 2 ou 3 doigts, je vais vous dire ça. C'est très important. Il y a certains détails qu'on ne néglige pas. Regardez par exemple, il nous a fait écouter 2 audios de Flor Deline qui demandaient les trucs d'un tot là qu'elle a envoyé, ce qu'elle nous a montré là. Flor Deline dit bien, non, mais envoie ce qui est gros parce qu'elle a envoyé une photo, l'écartement était là, mais le clito était petit. Il va falloir que je vous donne les détails comme ça lorsque je vais planter le décor. Car en fait, Coco Kouetou, lorsqu'elle a fait son direct, elle nous a montré certaines vidéos dans lesquelles on pouvait, certaines photos où on pouvait remarquer les écartements, les cisaillements de certaines filles. Et elle nous a fait écouter des audios qui suivaient avec, où elle écoutait clairement la voix de Flor Deline qui disait que le clito était petit, qui disait qu'elle voulait ce qui était plus grand, machin. Voilà comment il serait dans le personnage. Quand c'est comme ça, là, vous ne serez pas content. Ils doivent voir les détails. Mais deux. C'est comme ça que ça se passe. Une dans les tu es tellement fausse. Le catalogue est créé dans le noir. C'est elle qui relève, qui fait le sale travail de l'eau. Mamie, c'est quoi sa page Facebook? Quand l'eau est salée, la page Facebook de qui? De Coco. Tout le gang de Lolo. C'est Coco Kouetou. Il n'a pas utilisé Wakatolo qui est dans le noir pour salir les gens. Et Dorcas a très bien fait de lui déposer une plainte. Et Dorcas suit l'histoire, dépose-lui une vraie plainte. Et toi, tu viens soutenir ça parce qu'on ne t'a pas encore attaqué avec ça. Tout est grâce. Bonsoir. Quand Wakatolo entre dans le dossier de Flor, tout est mis en place pour chasser tout Flor. Parce que j'ai même entendu Lolo dire qu'elle est numéro 1 maintenant. Donc, elle a mis un plan en marche pour détruire Flor et être numéro 1. Mais numéro 1, là, il faut avoir le charisme. Ce n'est pas seulement. Je crois que la guerre est relancée entre Lolo Fondja et Flor Deline. Adida Marès. C'est l'ensemble de beaucoup de choses. Vous voyez, elle a montré quand même. Attendez, baisse du camion. Du camion, laisse-le un peu là. Est-ce que ce que je vais vous donner comme détail là, est-ce que c'est faux?
Et c'est pour ça que vous aimez peut-être que je plante les décors. Je vous donne les petits détails parfois qui ont échappé à certaines personnes et tout et tout. Pourquoi est-ce que Kokoko et toi a montré ces photos-là? C'était pour dire, elle a bien expliqué, que lorsque Fleur de Lille, à 4h du matin ou 3h du matin, elle a donné une heure bizarre là en fait, veut se branler et qu'on sort, elle a besoin de certaines choses. Et Fleur de Lille, elle a montré ça dans son direct, faisant croire que c'était Kokoko et tout. Parce qu'évidemment, la première photo, il y a un gars qui est bien propre, elle ne ressemble même pas à Kokoko et tout, qui est écarté et qui a envoyé peut-être tout son bras à l'intérieur. Elle a montré des choses comme ça. Et Kokoko et tout, en train de dire, ce n'est pas elle. Que ce soit les trucs qu'elle télécharge dans les sites des grandes personnes, comme nous là. Oui, elle prend là-bas, elle envoie à Fleur de Lille. Et Fleur de Lille essaye d'utiliser ça avec soit trois concombres à la fois, soit son truc qu'elle appelle Go de l'Oni d'amour, soit avant un an, pour qu'elle remonte un peu de son truc aussi. Voilà l'explication qu'elle a donnée. Elle a continué en montrant encore d'autres. Elle nous a fait écouter les audios. Ce qu'elle dit là, ce n'est pas un racontage, c'est vrai. On écoute bien Flo qui dit non, le clito si est un cron djanga, envoie l'autre qui est un peu plus costaud, je veux, mais l'autre si est comme ça, machin. Elle nous a fait écouter deux audios. Fleur de Lille parle clairement, mais non, envoie l'autre, non. L'autre qui a le plus gros là, pas le petit. Mais bon, ça, c'est ça les petits détails, c'est très important. Alors, ma chérie, Adiza, il faut qu'il dise la vérité. J'espère que tu vas bien. J'étais dans le direct de la plus belle, les plus belles influences hier. Elle a dit que tu étais à l'hôpital, c'est comme si tu avais un souci. J'espère que tu vas bien et voilà. Moi, j'ai 70 cm ici qui est au repos. Une fille qui veut tester me dit seulement. C'est gratuit, vous ne payez pas. Ah oui, ça ferait un très beau décor. La série, c'est longue avec plusieurs saisons. Non, il y a trop de saisons. Moi-même, je me fatigue. Sur cette série, vous voyez, je n'arrive même pas à parler. J'évite même, mais comme ça ne fait que revenir, et c'est sur ça que les stars bracatassons, tu es obligé de rester là. Voilà, c'est énervant. Moi, je veux passer à autre chose. Tu n'es pas sérieux finalement. Patrick, t'as-tu dit à qui? À Adiza ou bien à qui? Ah, Coco. Je vais vérifier celle dans l'enseigne, son direct. Là où tu... Parce que moi, je suis dans le groupe de Dorcas. Du Camé, tu n'es pas en bonne position là. Tes affaires de supporter Dorcas. Moi, il peut me lever là et supporter comme ça là. Parce qu'il n'y a rien à gagner. Mais toi, là, maintenant, c'est parce que... Oh, son direct est parti. On ne peut plus suivre ça. C'est parti. Elle ne va plus relancer. Ça s'est coupé comme ça pendant qu'elle parlait. Facebook a dû sanctionner. Parce qu'il y avait trop... Il y avait un écartement, là. C'était la magie. C'était la magie. Sénateur, tu es sous-marin. Bon. Je crois qu'on a déjà fait presque 2 heures. Je vais d'abord, on va faire une petite pause. Je vais vous laisser. J'avais déjà mis une petite vidéo de Fleur de Lille en direct. Là, je vais la publier tout de suite. Et après ça, on va revenir sur les déclarations de Fleur de Lille, sur Coco et tout et tout. Et le soir, Fleur de Lille sera en direct. Donc, ce soir, Fleur de Lille aussi, non, il ne faut pas exagérer. Tu vois qu'en direct, le soir à 20h, ça ne donne pas. Il y a le classique aujourd'hui, gars. Real Madrid Barcelone, c'est aujourd'hui à 21h. Il ne peut pas laisser ça. Bref, on sera en direct. On va écouter, mais moi, je serai sur mon match. Hein. Comme, si elle commence évidemment à 20h, ça dit qu'on aura une heure de temps. Mais comme elle ne peut pas respecter l'heure, je vais seulement mettre le direct, mais il ne va pas commenter. Je vais juste. Moi, je serai en train de regarder mon match, gars. Très important. Du Camino est hypocrite. Lui-même n'a pas ouvert le téléphone pour que les gens. Condamne Flo sur ce PV. Il me cœur, ce gars. Ça, c'est Sandy Storm qui le dit. Oui, je vais bien, je te remercie. Il t'a cherché partout. Parce que. Il faut garder les 70. Ouais, il a gardé ça au chaud. Une fille qui veut une livraison d'un 70 cm, elle m'écrit en inbox. Donc, Adida, écris-moi sur mon profil Facebook en inbox. Si tu veux une livraison d'un 70 cm. Pelé Marie qui est là, où elle a raconté quoi? Oh. En tout cas,
Portez-vous bien, rendez-vous pour les prochaines vidéos. C'était Cameroun Afrique Japap, le planteur des décors. Ciao, ciao. À tout de suite.